Bonsoir à tous. Constatant qu'il y a quorum, je déclare la séance ouverte et je vous invite tous à un moment de recueillement. Je vous remercie. Nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour. Y a-t-il des modifications ou des corrections? Oui, Monsieur Julien? Retirer deux dossiers, Madame la Présidente, à la page 5 sur 10. Donc, le dossier 1-1-GT 2016-217 serait retiré. Parfait. À la page 7 de 10, le dossier PC 2017-025 serait retiré. Je vous remercie. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour tel que modifié? M. Bussière, appuyé par M. Dufresne. Merci. Point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de ville tenu le 20 février. C'est proposé par M. Dufresne, appuyé par M. Normand. Merci. Point 4, rapport de M. le maire Régis Labombe sur les décisions prises lors de la séance ordinaire du Conseil d'agglomération de Québec tenu le 22 février et dépôt du procès-verbal. Oui, Madame la Présidente, toutes les décisions prises par le Conseil d'agglomération de Québec lors de sa séance tenue le 22 février 2017 sont consignés dans le procès-verbal que je dépose par la présente. Les procès-verbaux des séances du Conseil d'agglomération de Québec peuvent être consultés au bureau du greffier sur le site Internet de la Ville de Québec. Merci. Merci. J'autorise le dépôt. Point 5, communication écrite au Conseil, il n'y en a pas. Madame Guérette, vous avez un dépôt? Allez-y.
Alors, Madame la Présidente, j'aimerais remettre le mémoire que nous avons écrit dans le cadre du processus de consultation publique pour le port de Québec que nous avons soumis à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. J'aimerais déposer également le mémoire que nous avons soumis à l'Assemblée nationale du Québec dans le cadre de l'étude du projet de loi 122. Merci. Merci, Mme Guéret. Point 6, matière nécessaire. Ah, M. Chouari, vous en avez également. Allez-y. Oui, Mme la Présidente, j'aimerais déposer le mémoire que nous avons présenté dans le cadre de la consultation publique de la Société d'assurance automobile du Québec. Alors, jeudi dernier, et je vais le déposer au greffe. On va aussi envoyer une copie électronique au greffier, mais je voulais absolument déposer la copie papier du mémoire que nous avons présenté. Je vous remercie. Point 6, matière nécessitant de consultation publique, il n'y en a pas. J'en profite pour rappeler aux citoyens qui sont présents dans la salle et qui souhaiteraient intervenir à la période de questions qui leur est réservée de bien vouloir inscrire leur nom sur la feuille prévue à cet effet à l'entrée de la salle. Point 7, première partie de la période d'intervention générale des membres du Conseil. Comme à l'habitude, le premier temps de parole est réservé à M. le maire, avec une première réplique à Mme Guéret, suivi d'un deuxième temps de parole pour Mme Guéret, avec une première réplique de M. le maire. Suite à ces interventions, quels sont ceux et celles qui souhaiteraient intervenir? M. Normand, Mme Gilbert, M. Voyer, Mme Corriveau, Mme Jean, Mme Doyle, M. Verrette. Donc, M. le maire, je vous cède la parole. Si vous avez besoin de plus de 5 minutes, je vous les accorde d'emblée et j'offrirai par la suite le même temps à Mme Guéret. Merci, Mme la Présidente. Je voudrais expliquer que ma collègue Julie Lemieux n'est pas là aujourd'hui. Elle est malade. Alors, s'il y avait des questions à lui être transmises, on est disponible. Je voudrais revenir brièvement sur Anna Collard, Mme la Présidente. C'est dit tellement de choses depuis tellement longtemps. Avec mon collègue Rémi Normand, nous étions avec le ministre de l'Environnement, pas vendredi dernier, mais l'autre avant. Et avec le ministre, nous avions convenu d'un certain nombre de choses. Et le ministre, et je l'en remercie pour cela, a livré complètement la marchandise, tant et si bien que vendredi dernier, le ministre a signifié un avis préalable à la suspension de son certificat d'autorisation de la compagnie Anna Collard. La loi, dans ces conditions-là, impose que l'avis doit être transmis à l'organisateur, l'entreprise, et que l'entreprise a 15 jours pour réagir. Au bout de 15 jours, le ministre décide s'il retire le certificat d'autorisation ou accepte, je présume, les offres de remédiation de l'entreprise. Suspendre le certificat d'autorisation, c'est tout simplement arrêter la production. Et je dois vous dire que j'ai constaté que le geste du ministre a apaisé beaucoup, beaucoup de gens et a satisfait beaucoup de personnes. Je veux l'en remercier parce que dans les discussions que nous avons eues, on a fait le ménage un peu dans tout ce qui avait été dit. Beaucoup ont prétendu qu'il était facile de faire une injonction. Je veux reprendre, je n'ai pas mis la main sur l'avis juridique rendu public par Démocratie Québec, un avis juridique qui aurait été fait par un dénommé M. Maître Pierre Lorrain du cabinet Tremblay-Bois-Mignot-Lemie. Et on dit ici que c'est un des meilleurs bureaux d'avocats en droit municipal. Bon, bien, ça se peut, là. Ce que dit l'avis juridique, c'est « La Ville de Québec aurait l'intérêt juridique requis pour déposer une demande en injonction. » L'intérêt juridique, on se demande encore qu'est-ce que ça veut dire. Ça pourrait nous tenter un jour peut-être de le faire. Alors, on voit la précaution de Maître Lorrain qui n'a pas voulu se mouiller. Mais il dit, en plus de ça, avoir l'intérêt juridique à condition, bien entendu, d'avoir en main les preuves requises. Ah, ben, mon Dieu Seigneur, une chance qu'il nous l'a dit, on n'y pensait pas que ça prenait les preuves requises. Alors, ce que M. Lorrain dit, c'est absolument rien. C'est absolument rien. Avoir le désir de le faire, on peut avoir le désir, mais ça prend les preuves. C'est extraordinaire. J'avais besoin de M. Maître Pierre Lorrain pour nous dire que ça nous prend des preuves pour demander une injonction. Alors, c'est assez simple. Si on avait eu les preuves scientifiques, comme on a tenté de les avoir, on aurait tenté, comme tout citoyen, de demander une injonction, parce que tout citoyen au Québec peut demander une injonction. C'est juste qu'il faut avoir les preuves scientifiques pour soutenir la demande d'injonction. Alors, la chef de l'opposition a pu demander une injonction.
Nous, on aurait pu le faire. N'importe qui aurait pu le faire. D'ailleurs, les citoyens l'ont demandé. Ça n'a pas marché, mais ils l'ont demandé. Ça prend des preuves scientifiques. Les preuves scientifiques, on ne les a pas. On ne les a pas. On a tenté de les avoir, mais on n'est pas capable de les avoir scientifiquement. Ce n'est pas possible. Très compliqué. Et la preuve de tout ça... Et on a parti aussi, il y a des policiers qui ont parlé d'injonction. Une injonction, puis le problème fondamental de tout ça, c'est que la direction de la santé publique est allée évaluer la situation, a dit qu'il y avait, oui, des agréments, mais qu'il n'y avait pas de problème de santé évident. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune injonction qui aurait fonctionné. J'ai entendu des politiciens dire que le ministère demande une injonction. Oui, le ministère peut demander une injonction, mais avec le ministre, on en a convenu. Toute demande d'injonction du ministère n'aurait pas fonctionné devant un juge. Tout simplement, ça prend une preuve scientifique et béton. Et ça, ça n'existait pas. Puis c'est sûrement pas le rapport du directeur de la santé publique qui pouvait soutenir ça. Puis je pense que le directeur de la santé publique a bien fait son travail, c'est juste qu'il a mis des évidences qui ne pouvaient pas soutenir une demande d'injonction auprès de n'importe quel juge. Écoutez, Madame la chef de l'opposition, ça va vous dire. Alors, on enlève les épouvantails à moineaux, les injonctions, la Ville peut intervenir, peut tout faire. La réponse, c'est non, on ne peut pas. On ne peut tout simplement pas. Et la seule chose à faire, c'était de convaincre le ministre d'aller de l'avant, d'en discuter avec lui, et il a agi. Je veux l'en remercier, parce que les politiciens ne tiennent pas toujours leurs promesses. La discussion qu'il a eue avec nous, c'est exactement en ligne avec la décision qu'il a prise vendredi dernier. Et honnêtement, je pense qu'Anna Collard, à partir de maintenant, doit bouger, doit se réveiller, doit cesser de tenter de porter le blâme sur un et l'autre, doit se comporter en bon citoyen corporatif. Il a encore quelques jours pour le faire. Souhaitons qu'il le fasse autrement. Ce que je souhaite, s'il ne bouge pas, je souhaite vraiment que le ministre suspende son certificat d'autorisation. Et le cas échéant, ça veut dire que la production de l'usine cessera, mais j'ai confiance qu'Anna Collard sera posé les gestes pour être en harmonie avec le certificat d'autorisation qu'ils ont dans les mains. Merci. Merci, M. le maire. Mme Guirette. Oui, Mme la présidente. Écoutez, c'est sûr que... La possibilité d'injonction, c'est un pouvoir que la Ville a et on a un avis juridique à cet effet. Donc, on peut le faire. Maintenant, la preuve béton, c'est au maire de Québec, depuis 2013 au moins, que les gens de Cap-Rouge se plaignent des odeurs et de la pollution du dossier de l'usine Anna Collard. La Ville n'a rien fait. Elle les a toujours renvoyés. Sans s'en occuper vraiment, le maire est allé il y a 10 jours, sous la pression des citoyens ici qui sont venus en nombre faire pression. Et là, le maire, tout à coup, a réagi à la dernière minute en allant voir le ministre juste à l'aube du fait que le ministre Hertel finalement a menacé de suspendre le certificat d'autorisation d'Anna Collard. Donc, le maire n'a rien fait pendant 3 ans. Nous, on était là. On est avec les citoyens depuis le début dans ce dossier-là. On en a parlé ici au conseil municipal, Madame la Présidente, il y a déjà un certain moment. On a consulté des avocats. On était là à la mi-janvier aussi, alors que les citoyens ont préparé, ont tenu une rencontre d'information. Il fallait être là pour entendre l'importance de ce que les citoyens étaient en train de vivre, l'importance de l'inquiétude. Il n'y avait personne d'équipe La Bombe présent, ni le conseiller Proulx, ni de Cap-Rouge, justement, ni le maire de Québec. Nous, on y était, mon collègue Paul Chouary et moi. Alors, écoutez, on peut dire que le maire... Et chanceux à quelque part, c'est-à-dire que le ministre a agi, mais c'est pas l'équipe La Bombe qui a poussé. Ils ont été muets dans ce dossier-là depuis le début. Mon collègue Paul en sait davantage que moi, puisque c'est dans son arrondissement, ils ont vécu beaucoup de discussions au niveau de l'arrondissement,
Il saura certainement donner ses propres explications en complément à ce que je viens de faire. Alors voilà, on a poussé, d'autres ont poussé. On a vu M. Kerr également de la CAQ qui a fait un très bon travail, qui a poussé très fort, qui a toujours été là pour défendre les citoyens de Cap-Rouge. Et l'équipe La Bombe s'était muet jusqu'au jour où, finalement, ils se sont décidés de réagir parce que là, la pression était rendue trop forte et il fallait que le maire La Bombe fasse quelque chose. Alors, il a réagi comme fidèle à lui-même. Et voilà, maintenant, on est content que, finalement, les choses avancent. On est content de savoir que dans les prochains jours, les citoyens de Cap-Rouge verront cesser les activités, à moins que l'usine réussisse à diminuer de 90 % ses émanations d'ici là. Mais on est content pour les citoyens de Cap-Rouge. On sympathise avec eux dans ce dossier-là depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et tant mieux si les choses se règlent enfin pour eux. Merci. Merci. Monsieur Normand. Oui, merci, Madame la Présidente. C'est pas possible que quelqu'un puisse essayer de faire croire tout ce qu'on essaie de nous faire croire. Ça n'a pas de bon sens. Moi, ça me laisse pantois des discours comme ça. Faire croire que la Ville a fait délibérément abstraction de la situation, faire croire qu'on n'a pas été sensible, ça n'a pas de bon sens. Ça ne tient pas la route. Ils ont été là depuis le début. Mme Guérette nous dit depuis 2013. Moi, je suis allé à une consultation au conseil quartier. Je n'ai ni vu Mme Guérette, ni vu mon collègue de l'arrondissement, M. Chouari. Peut-être qu'elle aurait pu parler à M. Chouari pour savoir qu'il n'était pas là, puis qu'il était absent, puis il n'a pas entendu parler de ce qui s'est dit au conseil des quartiers quand on a fait la démarche de changement de zonage. Nous, à l'arrondissement, on a été saisis de ça en juillet 2016. Je l'ai ici. C'est mon collègue Laurent Proulx qui a été appelé par quelqu'un de la direction de la santé publique pour dire « On a un problème, on voudrait aller faire une séance d'information. » On a tout organisé le setup pour les citoyens pour que cette rencontre-là puisse se faire à l'arrondissement, à Cap-Rouge même. M. Proulx était témoin de ça. Il a même participé à l'organisation de cette rencontre-là. Tout ce qui a été fait, là, je suis certain qu'il y en a qui vont intervenir après moi, là, mais c'est phénoménal ce que la Ville a mis en œuvre pour répondre aux préoccupations qui nous ont été exprimées depuis juillet 2016. Je le répète, juillet 2016, Mme Guérette. Si vous lisez l'historique du ministère de l'Environnement, ça remonte à 2013, mais les plaintes étaient acheminées au ministère de l'Environnement, pas à la Ville de Québec. Nous, on est saisi de ça depuis juillet l'année passée. On est intervenu en zonage. On a favorisé la tenue de la rencontre de consultation, d'information de la santé et du ministère de l'Environnement. On a fait des interventions en sécurité civile, sécurité incendie, les produits ont été testés, sécurité civile pour les plans d'intervention en mesure d'urgence. La dernière fois qu'ils sont allés mettre à jour le plan, c'était en novembre l'année passée, c'est tout récent. À GT, ils sont allés voir pour des plaintes qu'on a eues en entreposage à l'extérieur, ils sont allés vérifier ça, il y a eu des avis d'infraction qui ont été faits. Service de l'eau et de l'environnement est passé. Tout était conforme. La division des opérations et du traitement des eaux aussi pour une usine de traitement était faite. On a déposé une offre d'achat. Madame la Présidente, on a fait tout ce qui était à l'intérieur de notre champ de juridiction pour intervenir et s'occuper des préoccupations des citoyens. On ne pouvait pas faire plus que ça parce que, comme la maire l'a dit, on avait des tire-poids en termes de réglementation pour pouvoir intervenir. Alors, on a fait tout ce qui était en nos pouvoirs pour pouvoir réagir et donner satisfaction aux citoyens. Je pense qu'avec le geste de vendredi dernier du ministère, on est arrivé à un bon résultat. Maintenant, c'est à l'entreprise de se conformer. Merci, Madame la Présidente. Merci. Madame Corriveau. Merci à mon collègue Rémy. Merci, Monsieur le maire. C'est assez incroyable ce que j'ai entendu aussi dans le dossier d'Anna Collard, juste pour vous dire que parfois ça peut sembler simple en théorie, mais c'est beaucoup plus complexe que ça en pratique. Et d'entrée de jeu, je vais le répéter, je pense qu'il n'y a aucun doute que pour nous, la qualité de vie de nos citoyens, c'est primordial. Et je ne crois pas que personne ici refuserait de prendre des actions dans le dossier d'Anna Collard. Et nous, je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire.
Je veux juste mentionner, pour faire suite aux propos de M. le maire, que depuis les derniers mois, nos équipes des affaires juridiques ont retourné la question de tous les côtés, et ça à plusieurs reprises, pour avoir l'heure juste. Et la conclusion, ça a toujours été la même. Nous n'avons pas le pouvoir, c'est-à-dire que nos pouvoirs sont limités. Alors, les citoyens voudraient et souhaiteraient qu'on invoque le règlement 1006 sur les nuisances, mais les amendes varient entre 600 et 1200 pour la première infraction et entre 1200 et 4000 pour la récidive. Alors, on peut-tu conclure que c'est assez dérisoire? Et il est assez évident qu'il faudrait bâtir une preuve solide pour les nuisances des odeurs. Et je vous rappelle que le gouvernement du Québec a sévi en 2015 en imposant une pénalité de 10 000 $ à Anacolor, mais l'entreprise s'est dépêchée de la contester. Alors, c'est le Bureau de réexamen des sanctions administratives pécuniaires qui a maintenu l'amende, et Anacolor a choisi d'amener sa cause devant le tribunal administratif du Québec, et on est toujours en attente de l'entente qui peut de la suite. Alors, je ne sais pas comment vous croyez qu'Anacolor va réagir à des amendes de la Ville de Québec entre 600 et 4000 $. Moi, j'ai l'impression qu'on engrangerait encore des frais judiciaires. Peut-être que ce serait intéressant que les collègues ici de l'opposition en prennent note. Et de plus, comme l'a mentionné mon collègue Rémi, à maintes reprises, je vais vous le répéter, c'est le quatrième alinéa de l'article 124 sur la loi de la qualité de l'environnement du gouvernement du Québec. Et là, je vais vous la lire, madame. Ouvrez vos oreilles de l'autre côté, là. Ces règlements, de même que les normes fixées en application du deuxième alinéa de l'article 31,5, prévalent sur tout règlement municipal portant sur le même objet, à moins que le règlement municipal ne soit approuvé par le ministre, auquel cas ce dernier prévaut, dans la mesure que détermine le ministre. Alors, je ne sais pas si c'est clair, s'il faut, je pourrais le répéter. Alors, je ne pense pas que ce soit un manque de volonté de la part des gens de la Ville et de l'équipe La Bombe. Je pense que c'est un manque de levier, Madame la Présidente. Et c'est pourquoi, dans les circonstances, nous avons agi quand même pour faire progresser. Mon collègue en a encore dit quelques mots tout à l'heure. Mais, inévitablement, c'est le gouvernement du Québec qui doit prendre les décisions et c'est avec lui qu'il y a 100 fois plus d'outils pour agir, plutôt que la Ville de Québec. Et la stratégie, Madame la Présidente, ce n'est pas en vain qu'on voudrait faire en sorte de faire quelque chose, c'est juste qu'on ne peut pas, les pouvoirs sont limités. Mais on se réjouit de la décision de vendredi dernier, et si les collègues de l'opposition connaissent si bien le dossier, j'aimerais qu'ils nous disent c'est quoi les vapeurs qui sortent de l'usine Anacolor. Ils semblent bien connaître le dossier. Merci. J'ai M. Proulx qui a demandé la parole. Oui, Madame la Présidente. Écoutez, mes collègues ont été extrêmement clairs par rapport à ce que la Ville de Québec a fait dans le dossier d'Anacolor. J'ajouterais que la rencontre de citoyens dont Madame la chef de l'opposition parle, M. Normand et moi, on a rencontré tous les organisateurs de cette rencontre-là à nos bureaux à l'arrondissement, examiné avec eux chacune de leurs propositions, chacun de leurs opinions sur leurs problèmes. On a fait le tour avec eux avec cette rencontre-là. Donc, il n'y a aucune étape dans le processus où on n'a pas été présent, en plus des actions, comme l'ont mentionné mes collègues, par rapport aux zonages. Donc, nous, les conseillers à l'arrondissement Sainte-Foy-Syrie-Cap-Rouge, on l'a fait, notre travail. Mais je veux remercier aussi le gouvernement du Québec, M. le ministre David Hertel, parce que ce que j'ai compris, moi, vendredi dernier, c'est que le dossier suit son cours. Je tiens à le remercier de ça, parce que c'est pas un dossier évident. Oui, il y a le gouvernement a des pouvoirs, mais ces pouvoirs-là viennent avec des grandes responsabilités. Donc, je lui adresse mes remerciements en mon nom et au nom des citoyens que je représente. Je le remercie parce que c'est un dossier qui, je trouve, qui peut-être ne chemine pas au goût de tout le monde, mais selon moi, chemine quand même bien, compte tenu des circonstances. Je remercie également mes collègues qui m'ont appuyé là-dedans dès le premier moment pour qu'on fasse avancer ça. Merci, Madame la Présidente. Merci. D'autres interventions sur le sujet principal de M. le maire? Oui. M. Chouari? Oui, Madame la Présidente. En fait, le dossier d'Anacolor, je me souviens très bien d'avoir fait de ce dossier-là mon sujet principal ici au conseil municipal à l'automne dernier comme chef d'opposition. Et ce que je demandais l'automne dernier, c'est que la Ville prenne action dans les vérifications des émissions atmosphériques, que la Ville prenne action dans l'application de son règlement sur les nuisances, que la Ville prenne action dans les recours juridiques qui lui étaient disponibles et possibles. Alors, c'est ce qu'on a demandé.
demande que les citoyens de Cabourg, le comité des citoyens de Cabourg, nous ont fait communiquer avec nous sur leur position, nous dire qu'on trouve que la ville n'en fait pas assez. Alors, c'est... Ah, merci. C'est ce qu'on demandait. Alors, est-ce que ça faisait longtemps que mon micro était fermé? Je pense pas. Continuez. Okay. Alors, c'est ce que l'on demandait, Madame la Présidente. C'est ce que les citoyens nous ont demandé. Alors, on les a appuyés là-dedans l'automne dernier. Et au mois de janvier dernier, à la demande des citoyens, nous sommes allés à la réunion des citoyens. Une chimiste est venue dire que selon ses évaluations, il y avait des émanations toxiques pour la population et confirmait ce que la direction de la santé publique avait dit l'été passé. L'avocate des citoyens est venue dire à la séance d'information que la ville avait le pouvoir d'agir, la ville avait le pouvoir de demander une injonction, que la ville décidait et choisissait de ne pas le faire. C'était son choix. Parce que la ville, on l'a su, on l'a appris de l'avocat de la ville, en fait, l'avocat de la CMQ ici, dans l'année dernière, la ville a une obligation puis un devoir de précaution. Elle a des pouvoirs, mais elle n'est pas obligée d'exercer ses pouvoirs. La Ville de Québec a choisi de ne pas exercer ses pouvoirs. Et on a fait valider cette opinion-là par Maître Pierre Lorrain de Tremblay-Bois-Mignaud. Et on sait que M. le maire n'est pas content parce que Maître Lorrain vient démontrer que la Ville a choisi de ne pas agir dans ce dossier-là. Mais elle avait le pouvoir de le faire. Et elle aurait dû le faire. C'est ce qu'on pense. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que le ministre de l'Environnement a finalement décidé de prendre des actions très concrètes. Et je rappelle que le ministère de l'Environnement fait des évaluations, de la modélisation au niveau de la qualité de l'air autour d'Anacolor depuis mai l'an passé. Alors, c'est pas nouveau ce dossier-là. Alors, depuis le mois de mai l'an passé que le ministère de l'Environnement fait de la modélisation. Autre élément, et je termine là-dessus, Madame la Présidente, l'avocate des citoyens à la séance d'information a dit: n'écoutez pas ceux à la Ville qui vous ont dit de ne pas faire de plainte à la Ville, parce que les citoyens se sont fait dire de ne pas faire de plainte à la Ville. Vous devez faire des plaintes à la Ville, et au ministère de l'Environnement, et à la Ville. Et c'est l'avocate des citoyens qui leur a dit, non seulement vous avez le droit de le faire, mais vous devez le faire. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Chouari. Madame Gilbert? Oui, merci, Madame la Présidente. Mais je pense que M. Chouari, quand même, a dit dans son temps de parole, il a parlé d'émanation. Mais des émanations, ça, c'est du rôle, du devoir du ministère de l'Environnement de s'occuper des émanations. Les odeurs, c'est la ville. Fait que je pense que déjà, il y a eu beaucoup, on dirait que ça semble assez mêlé. Et je pense que ça aurait été bien que Mme Guérette parle avec M. Chouari avant de prendre la parole ce soir, parce que même à ce que j'entends de M. Chouari, on voit que la ville a vraiment agi. La ville est intervenue et dès 2016, d'après M. Chouari vient de le confirmer. Il vient de faire une rétrospective rapide pour dire tout ce que l'arrondissement a pu faire dans le cadre de ses responsabilités. Moi, ce que je trouve dommage, bien, oui, M. Chouari, je l'ai entendu. Adressez-vous à moi, Mme Gilbert. Je ne suis pas proche du dossier comme vous l'êtes, mais je pense que là, il y a une évidence. Et de revenir sur ce que le juriste a dit, moi, je porte foi à ce que je viens d'entendre de ce que le juriste a écrit. Que ça prend des preuves. Oui, tout est possible avec des preuves. C'est les preuves qui manquaient, c'est les preuves que le ministère de l'Environnement doit apporter. Je pense que ça ne sert à rien de s'ostiner longtemps là-dessus. Ce que je trouve vraiment malhabile et disgracieux de la part de Mme Guérette, surtout, c'est de vouloir encore une fois politiser un débat lorsqu'ici, on parle, et quelque chose qui nous a tous touchés, je pense qu'il nous a... tous, et du président de l'arrondissement et de la conseillère aussi, qui a dérangé tout le monde, c'est ce que les citoyens vivaient. Il n'y a personne qui est resté insensible à cette situation-là. Et encore une fois, c'est pas le temps de politiser des dossiers aussi importants que ça. C'est le temps d'être solidaire avec les citoyens. Moi, vous savez, j'écoute le maire, j'écoute mes collègues, j'ai entendu les citoyens l'autre jour. Et puis, la seule chose qui me venait en tête, c'est le fameux document qu'on a déposé, la vision du développement social, où on parle de solidarité. On parle de devenir en aide, d'être là pour appuyer les citoyens, les personnes vulnérables, les aînés, nos familles. Et c'est là notre rôle, c'est d'être là pour les soutenir. Et je pense que
cette vision-là, elle s'appuie sur un engagement. Nous avons pris un engagement, mais c'est un engagement collectif. Donc, un engagement qui devrait être là avec l'opposition et nous ici qui essayons d'aller devrions aller dans le même sens, donc pas politisé. Mais c'est aussi un engagement du privé, des entreprises privées. C'est ça aussi qu'on doit voir dans on parle de développement social de notre ville. Et là, ici, il y a vraiment une faille de la part de l'entreprise privée. Je ne pense pas que la faille, ça ne doit pas essayer de trouver la faute du maire puis la faute des collègues ou des élus qui n'ont pas fait leur travail. Adressez-vous à moi, Mme Gérard. Le maire s'est déplacé à Montréal pour rencontrer le ministre pour régler ce dossier-là. Alors, la faille, elle n'est pas là. C'est une entreprise privée qui, elle, devrait être un petit peu plus respectueuse de ses voisins. Et on espère qu'elle va le faire. On ne fait plus en 2017 ce qu'on s'était permis de faire il y a 30 ans. Et on est encore le temps pour l'entreprise privée d'agir. Merci. Monsieur Julien? Oui, merci, Madame la Présidente. Écoutez, je rejoins totalement les commentaires de mes collègues et du maire par rapport au dossier Anacolor. Je trouve ça assez déplorable d'entendre l'opposition mentionner que la Ville de Québec n'a pas agi. Et l'énumération faite par mon collègue, M. Normand, de tous les gestes qui ont été posés depuis 2016, depuis juillet 2016, sont assez éloquents, où on a fait intervenir à la fois la sécurité civile, la gestion du territoire, l'eau, l'environnement. On a fait intervenir également l'opération du traitement des eaux. Et on a fait une offre d'achat qui a été déposée justement pour régulariser la situation. Et on nous ramène toujours l'injonction, mais une injonction faute de preuves. Et nous aussi, on a des conseillers juridiques et nous disent, bien, l'injonction faute de preuves, vous êtes avec un tire-poids, comme mentionnait M. Normand, et ça n'ira nulle part. Donc, il faut arrêter, en réalité, d'inventer des procédures judiciaires quand on n'en connaît pas la nature et on ne connaît pas surtout les effets de celle-ci. Et pour nous, faute de preuves, impossible d'y aller. Mais revenons un peu sur les commentaires de ma collègue, Mme Chantal Gilbert. On est en présence ici d'une entreprise qui est, malheureusement, qui ne pose pas les gestes nécessaires pour régulariser une situation. Pour nous, la plupart des entreprises, on souhaite qu'ils adhèrent à leur responsabilité sociale, qu'elles prennent des mesures volontaires pour exercer des activités de manière durable, de manière environnementale, qui contribuent à leur communauté. Et ce n'est pas ce qu'on observe dans le dossier actuellement. Honnêtement, malgré les préoccupations des citoyens qui ont été clairement énoncées, qui sont bien appuyées, malgré les exigences du ministère de l'Environnement qui avait donné jusqu'au 1er février à l'entreprise pour installer des systèmes d'épuration visant la réduction de 90 % des organiques volatiles, on observe que l'entreprise refuse toujours de satisfaire à ces exigences-là. Et l'entreprise profite également des lenteurs judiciaires, justement, pour repousser un peu l'échéance d'intervenir. C'est face à cette situation-là qu'on est actuellement, Madame la Présidente. Et le geste posé par le ministère de l'Environnement, par le ministre, est essentiel, justement, pour dénouer cette impasse-là et pour que l'entreprise prenne bien acte de ses responsabilités et qu'elle agisse en conséquence, sinon elle vivra avec les effets de ne pas avoir agi. Merci. Merci. D'autres interventions sur le sujet principal de M. le maire? M. Bussière? Moi, Mme la Présidente, dans ce dossier-là, je pense que l'opposition fait son travail. Je pense que aussi la gouvernance, l'équipe Labeaume a fait son travail. Il n'y a pas un élu qui a un intérêt à voir des citoyens menacés par une entreprise qui pollue et qui peut affecter la santé de leurs enfants. Et donc, ces citoyens, c'est eux qui ont pris l'initiative de la démarche de dénoncer cette atmosphère qui est polluante dans leur milieu. La santé publique a fait son travail, et là, c'est le gouvernement qui va faire son travail. Et moi aussi, comme monsieur le maire, je souhaite que l'entreprise ait une conscience sociale et qu'il revienne sur ses décisions, et qui nous démontre une bonne foi aux recommandations du ministre et qui s'exécute afin d'améliorer ce milieu-là. Je pense que tout le monde, il n'y a pas de coupable à chercher. On est tous dédiés au bien commun. Autant le gouvernement, maintenant, c'est sa responsabilité, lui-même a mis à l'amende l'entreprise. Comme on l'a mentionné, il y a eu des délais.
pense qu'on peut demander à une entreprise, comme le maire le fait, d'être un bon citoyen corporatif, puis d'écouter le ministre, puis rentrer, être responsable avec la communauté qui vit autour de son entreprise. Merci beaucoup, M. Lucière. Donc, si je n'ai pas d'autres interventions sur le sujet de M. le maire, j'invite Mme Guérette en intervention principale. Merci, Mme la Présidente. Alors, ce soir, nous allons parler de l'avenir des conseils de quartier. Il y a quand même eu des articles là, au niveau qui nous ont fait voir quel était le niveau d'assiduité des élus d'équipe La Baume, de l'ensemble des élus au conseil, à leur conseil de quartier. Il y a eu aussi, suite à ces articles, également dans le cadre de la commission parlementaire, dans le cadre du projet de loi 122, il y a quand même eu des déclarations du maire et de ses conseillers qui sont quand même préoccupantes en lien avec l'avenir de la démocratie à Québec et des conseils de quartier. Pour nous, Démocratie Québec, les conseils de quartier, c'est une instance qui permet aux élus d'avoir le pouls du terrain en continu et en dehors des périodes électorales. À Québec, on a 25 conseils de quartier sur une possibilité d'environ 28. Et sur chaque conseil de quartier, il y a une dizaine de citoyens bénévoles, ce qui veut dire qu'on a à Québec environ 250 citoyennes et citoyens engagés bénévolement, des gens de toutes les générations, des gens qui connaissent leur quartier par cœur, qui sont bénévoles, qui ont des idées et qui veulent participer à la décision publique entre les élections. Alors, pour nous, Démocratie Québec, c'est clair, et vous le savez, Madame la Présidente, c'est pas la première fois qu'on parle de ça, mais c'est 250 citoyennes et citoyens engagés sont une ressource inestimable à exploiter et à valoriser. Pour nous, à Démocratie Québec, ce qui se passe au conseil de quartier, ce sont des lieux d'où émergent les enjeux fondamentaux, les besoins, les idées et les priorités de notre collectivité. Pour nous, à Démocratie Québec, les conseils de quartier sont rien de moins que le socle sur lequel on propose de s'appuyer pour innover en matière de démocratie et instaurer à Québec une politique participative qui s'articule du bas vers le haut, contrairement à ce qu'on vit à la Ville de Québec depuis déjà 10 ans, une politique plus autocratique qui s'articule du haut vers le bas. Le maire a toujours été assez clair sur ce point. Vous m'avez élu, maintenant c'est moi qui décide, puis vous n'êtes pas content, vous me mettrez à la porte dans 4 ans. Donc, pour le maire Labeaume, c'est une carte blanche aux 4 ans. Une fois élu, il fait ce qu'il veut, puis après ça, les citoyens se reprononcent 4 ans plus tard. Évidemment, il y a plusieurs déclarations récentes et contradictoires qui laissent entrevoir que ça pourrait être, on pourrait penser qu'une fois réélu avec sa nouvelle carte blanche en main pour 4 ans, le maire Labeaume aurait envie de faire disparaître les conseils de quartier, Madame la Présidente. On peut rire, mais il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous faire douter de façon sérieuse. C'est sûr qu'il ne nous le dira pas d'ici à la prochaine campagne électorale, Madame la Présidente. Mais on va regarder un peu qu'est-ce qui s'est dit au sujet des conseils de quartier pour voir un peu, pour lire entre les lignes, qu'est-ce qu'on peut y comprendre. C'est sûr que le maire Labeaume dit d'un côté, lorsque le Journal de Québec a fait état de la faible présence de ses conseillers au conseil de quartier, il dit qu'il incite tous les conseillers à y participer autant que c'est possible dans le cadre de leur emploi du temps. Il dit qu'il croit au conseil de quartier et qu'il ne pense pas qu'il faille abolir cette instance. Mais du même souffle, il ajoute aussi qu'il suggère aux élus de son équipe de rencontrer leurs concitoyens autrement ou de passer outre si l'ambiance n'est pas propice. Il dit aussi que les conseils de quartier sont un lieu pour les politiciens en herbe pour aller se faire du capital politique.
que certains conseils de quartier sont pris d'assaut par des gens désagréables qui ont déjà tenté leur chance aux élections ou qui comptent le faire. Alors, il nous dit qu'il y a des adversaires politiques là-dedans, Madame la Présidente. Même type de contradiction au sein des conseillers. Il y a M. Proulx qui dit que lui s'absente volontairement du conseil de quartier de Cap-Rouge parce qu'il trouve que son droit de parole est limité. D'un autre côté, Mme Lemieux, elle, affirme de son côté qu'elle trouve que l'élu prend toute la place. Il y a M. Normand qui, lui, choisit de limiter ses présences en raison de l'ambiance avec laquelle il n'est pas à l'aise. En fait, de toutes ces contradictions, de toutes ces déclarations, il y a une constance, on sent qu'Équipe La Bombe vit mal avec les conseils de quartier. Pourquoi certains élus d'Équipe La Bombe trouvent difficile de participer aux conseils de quartier? C'est qui le problème? Les membres des conseils de quartier ou les élus qui se présentent là et qui ramassent les conséquences du manque d'écoute de l'administration actuelle? C'est qui l'épine dans le pied du maire, les conseils de quartier ou sa façon autocratique de gouverner à la Ville de Québec? Est-ce que les conseils de quartier, Madame la Présidente, sont réellement des incubateurs d'adversaires politiques, des poches de résistance ou encore, et je cite, « des gens désagréables qui cherchent à se faire du capital politique »? Je voudrais rassurer le maire à cet effet, parce que dans les conseils de quartier que je représente, et je siège sur 3 d'entre eux, ce qui totalise une trentaine de personnes, j'en connais pas un seul, malheureusement, parce qu'il y a des gens extraordinaires, on aimerait qu'ils plongent en politique, mais malheureusement, il n'y en a aucun sur mes conseils de quartier qui songe à se présenter, puis je ne suis pas certaine qu'il y en a plusieurs dans l'ensemble des conseils de quartier qui sont en train de préparer leur carrière politique. Et si certaines personnes décident de s'engager, qui s'engagent au sein des conseils de quartier, en arriver à décider de poursuivre leur engagement jusqu'à se lancer comme candidate ou comme candidat, il est où le problème, Madame la Présidente? Vous, comme moi, n'est-ce pas, nous avons débuté notre engagement au sein de notre conseil de quartier, n'est-ce pas? Donc, il est où le problème? Il n'y en a pas de problème pour nous. Au contraire, si les conseils de quartier sont aussi des lieux d'apprentissage vers l'engagement politique, puis qu'émergent des candidates et des candidats, tant mieux. Ceci étant dit, je termine, Madame la Présidente, est-ce qu'on est en train de dire que les conseils de quartier sont parfaits? La réponse est non. Mais est-ce qu'on doit les affaiblir, les contourner, les éviter ou chercher à les éliminer ou doit-on plutôt voir comment on peut les consolider, les bonifier, les moderniser et les rendre plus représentatifs et plus efficaces? Pour nous, la réponse est claire. Comme pour les référendums, il faut à la fois les conserver et les améliorer. Alors, à entendre le maire et ses conseillers, si on regarde les faits qu'on lit entre les lignes, c'est sûr qu'on est en droit de se demander comment les citoyens de Québec peuvent-ils faire confiance à un maire qui dit tout et son contraire au sujet des conseils de quartier. Je vais terminer, Madame la Présidente. Qu'est-ce qui nous dit qu'après son prochain chèque en blanc, il ne planifie pas la disparition définitive? Je termine en disant, se pourrait-il que nous nous trouvions en face d'un maire qui, lui, aurait un agenda caché et qui, en cette période préélectorale, manquerait de courage pour dire la vérité à ses citoyens? Merci, Madame la Présidente. Merci. Monsieur le maire. Oh, la fabulation! On est dans le grand complot ici, là, dans le grand complot, la fabulation. Je veux juste dire à Madame la chef d'opposition que c'est sûr que de ces conseils de quartier, personne ne va se présenter contre moi parce qu'elle est là. Elle est déjà contre moi. Je pense que ça n'aura pas trop de bon sens. Écoutez, je vais régler tout de suite. Je vais dire à la chef d'opposition, si elle veut trouver une thématique pour la prochaine élection, celle-là, elle ne marchera pas. Parce que les conseils de quartier, ils sont là pour rester. Ils resteront toujours là. Alors, vous pouvez toujours fabuler sur des grands complots, puis comprends-tu des arrière-pensées, puis des agendas cachés. On va laisser l'opposition s'exciter entre eux autres, mais les conseillers de quartier sont là pour rester, tout simplement. C'est pas bien compliqué, ils vont rester là. Alors, trouver une autre thématique de fabulation, celle-là, elle marche pas. C'est tout simple, ils vont rester là. Je pense que vous frappez au baseball, on disait à l'époque, frapper dans le beurre, vous venez de frapper dans le beurre. Vous défoncez une porte ouverte. Les conseillers de quartier vont rester là. Alors, si ça vous excite entre vous autres à l'opposition, vous expliquez, dire que le maire
l'horrible maire, le monstre, n'est-ce pas, de maire va abolir les conseils de quartier. Faites-vous plaisir. En attendant, on a d'ouvrage jour, on a d'autres choses à faire. Alors, oui, il y a des gens, ces conseils de quartier, qui sont désagréables. Pas tous. Il y en a des désagréables. C'est tout. Il y a des gens qui ont la grosse tête. Il y a des gens qui sont déjà présentés en politique comme nous autres. Ils ont le droit, on vit en démocratie, ils ont le droit d'être membres des conseils de quartier. On n'est pas obligé de les aimer. On n'est pas obligé de les trouver agréables. Puis oui, il y a des gens qui vont se présenter, mais c'est parce que pendant quelques années, ils sont désagréables avec mes conseillers. Ils ne sont pas obligés, mais c'est de même, c'est la vie. Mais ce n'est pas tous les conseils de quartier. Voilà. Alors, les conseils de quartier sont là pour rester. N'en doutez même pas. Même pas. Et là, nous autres, on a commandé à l'Institut du Nouveau Monde, on a commandé nous-mêmes une critique de notre politique de consultation. Ils nous ont dit que notre politique de consultation était débonnée. Très bien, on va en bâtir une nouvelle. Une nouvelle qui va être probablement la plus moderne au Québec. Tout simplement. Alors, en attendant, on va vous laisser le soin de vous raconter quelques affaires entre vous autres, de vous faire peur, puis de vous exciter, puis faire de la fabulation. Honnêtement, vous n'avez pas le goût d'être utile. Il doit y avoir d'autres dossiers que de faire croire au monde qu'on n'aurait plus de conseil de quartier. Hein? Mais continuez, c'est correct. Pendant ce temps-là, nous avons le droit. D'autres interventions sur le sujet de Mme Guirette? Mme Véroux? Merci, Mme la Présidente. Alors, je me dois de réagir, évidemment. J'ai commencé par dire que sur un de mes conseils de quartier, il y a des candidats de Démocratie Québec annoncés, alors qu'ils l'ont annoncé publiquement, et ils sont sur mon conseil de quartier. Un de mes deux conseils de quartier a annoncé publiquement qu'il travaille avec Mme Guérette. Alors, c'est ça, je trouve ça tout à fait triste. Je trouve ça tout à fait triste que Mme Guérette détruit, selon moi, détruit elle-même le modèle des conseils de quartier. Tout ce qu'elle dit, elle le détruit. Elle détruit le modèle des conseils de quartier. Pour ma part, je vais parler en mon nom, quand elle parle d'autocratie du maire, moi, je pense que c'est un effet miroir qu'elle a envers elle. Et je vous dirais que dans mes conseils, ça fait 7 ans que je suis élue, je n'ai pas été d'un conseil de quartier avant d'être élue, et j'ai toujours senti le devoir d'assister à mes conseils de quartier. Mais moi, pour ma part, je n'ai pas eu d'embûche. J'ai 2 conseils de quartier et je me suis mise au niveau des bénévoles du conseil d'administration. Ils ont des initiatives, ils ont des beaux projets. Je les appuie là-dedans, je les accompagne jusqu'où on peut aller. Je crois sincèrement au conseil de quartier. Quand j'ai été élue il y a 7 ans, j'avais dit « j'aimerais ça à la fin de mon premier mandat qu'il y ait des gens dans la salle du conseil de quartier ». Il n'y en a pas plus. Je n'ai pas réussi. Alors, je n'ai pas réussi à attirer plus de gens. Mais c'est sûr que les citoyens des quartiers, s'ils entendent parler comme ça des conseils de quartier, ne sont pas prêts de venir se chicaner d'un conseil de quartier. Le modèle est à revoir, on l'a dit, vous l'avez dit, M. Labeaume, puis oui, je pense que le modèle est à revoir. C'est un modèle qui a 20 ans maintenant. Il est probablement à revoir avec des nouvelles, on a des nouvelles technologies de communication, mais l'instance même de rencontre dans les conseils de quartier, j'y crois sincèrement. En passant, concernant les présences et les absences au conseil de quartier, j'ai répondu, j'ai écrit un courriel à la journaliste Mme Martin pour lui donner mon propre bulletin. Parce que je trouvais, puis je le dis en tout respect envers la journaliste, je lui ai dit, je le trouvais un petit peu vague, parce qu'entre les 3 meilleurs et les 3 moins bons, on ne parle pas de ce qui se passe au milieu. Alors, pour ma part, je participe très bien à mes conseils de quartier. Mais ça, je veux dire, c'est Mme Guérette s'en fait une gloire. J'ai commandé une étude sur les présences à l'arrondissement, probablement qu'elle ne sera pas en tête de liste. Alors, c'est ça. Le fondement même d'un conseil de quartier, alors, il faut arrêter de dire, de faire douter les gens. C'est incroyable d'aller dire « on pense que ». Ça ne se peut même pas de mêler, premièrement, le projet de loi sur les référendums en laissant comme supposer que ça va éliminer le conseil de quartier. Ça n'a rien à voir. Les conseils de quartier tiennent des consultations sur… C'est même pas eux qui tiennent les référendums, ils tiennent des consultations publiques sur des enjeux de gestion du territoire, de zonage, mais ce n'est pas les conseils de quartier qui font un référendum, ce n'est même pas sur leur pouvoir.
Alors, il ne faut pas tout mêler les choses. Là, Mme Guérette, elle a un gros programme là, au niveau des consultations publiques, la démocratie. La démocratie est bel et bien là. En tout cas, pour ma part, moi, c'est très important. Et non, ce n'est pas en désinformant, pas du tout. Je pense que les conseils de quartier sont là pour rester. Puis si on m'annonçait en catimini, en cachette, là, qu'on va les abolir, bien probablement que je ne suivrai pas par là. Merci. Merci. D'autres interventions? Dans ce cas, j'invite M. Normand à prendre la parole. Oui, merci, Mme la Présidente. Je voudrais revenir sur le plénier du 2 mars dernier, jeudi dernier, sur les rues conviviales et sur le concept qu'on appelle le concept des 3 R. J'invite les citoyens à aller voir sur Internet, le site de la Ville, la présentation PowerPoint qui a été faite jeudi dernier. C'est quoi les rues conviviales? C'est une approche intégrée de conception de rue pour améliorer la qualité de vie urbaine. Il y a de nouvelles façons de faire qui sont développées à travers le monde. Nous pensons que la Ville peut se bénéficier de ces approches-là et éviter de travailler en silo. On essaie de plus en plus à la Ville de faire travailler les unités administratives de concert plutôt que chacune dans leur secteur. Alors, la mobilité durable, l'accessibilité universelle, toute la question du vélo, des arbres, de l'art public, le SRB, le futur SRB, c'est intelligent et c'est emballant. L'objectif de la démarche, c'est un nouveau processus décisionnel pour le réaménagement des rues, comme je le disais, qui est un outil pour identifier et visualiser les rues prioritaires à aménager et s'assurer de la participation citoyenne dans le processus de conception de ces rues-là. Il y a plusieurs projets pilotes qui ont été déjà réalisés au moment où on se parle et qui sont en bonne voie de l'être. On pense à peut-être la pionnière qui a été la rue Sainte-Claire, la rue Anna, dans le district de ma collègue Saint-Sauveur, la rue Ruelle à Montmorency. Et la prochaine, je pense qu'il va se faire cette année, la rue Saint-Ambroise, dans le secteur Saint-Sauveur aussi. On passe à l'action, donc, pour plus de beauté, plus de verdure, de confort et de sécurité en toute saison. Tout ça pour des villes plus actives. Basé sur la santé durable, l'humain au cœur de l'aménagement, afin de soutenir le bien-être physique, moral, mental et social de la communauté. Ce qui nous amène à viser l'exploitation des 3 R, le concept des 3 R, qui sont les rues conviviales, les ruelles et les rivières. Ma collègue Suzanne Véraud nous a mentionné récemment qu'il y aurait des changements apportés au programme de revitalisation des ruelles, justement dans les simplifications des façons de faire et la bonification de l'enveloppe qui était dédiée à ce projet-là. Donc, des ruelles mieux aménagées, ce sont des environnements apaisés où le sentiment de sécurité est plus grand, et ça va favoriser la mobilisation d'un voisinage autour de ces projets-là. Le troisième et dernier R est pour les rivières. Notre administration, on l'a mentionné dans le plan triennal d'investissement, va investir plus de 11 millions de dollars au cours des 3 prochaines années pour revaloriser 5 rivières. On parle ici de la rivière Cap-Rouge, Saint-Charles-du-Berger, Beauport et la rivière Montmorency, évidemment. L'objectif qu'il y a derrière ça, ou les objectifs, c'est d'améliorer l'accès aux rivières, protéger et mettre en valeur les milieux naturels sensibles, renforcer le sentiment d'appropriation des citoyens, relier les équipements récréo-touristiques, mettre en valeur la culture et le patrimoine, définir le potentiel de développement et de requalification urbaine de certains secteurs. Afin d'obtenir la présentation d'un projet plus pertinent et intelligent avec de nouvelles formes, l'aménagement des rivières sera le fruit d'un concours international qui sera lancé au printemps par ma collègue Julie Lemieux. La Ville basera aussi sur la consultation menée l'été dernier auprès de citoyens qui a permis d'amasser près de 650 idées. Alors, nous continuons à miser sur le développement, en terminant, Madame la Présidente, sur le développement économique et les 3 projets, mais force est d'admettre que ces 3 R pour augmenter la qualité de vie de nos citoyens sont de beaux leviers pour notre ville et nos quartiers. Merci. Merci. Monsieur le maire, vous avez demandé la parole sur le sujet. Laissez. Madame la Présidente, l'opposition a dit tantôt que j'avais été chanceux de régler le problème d'Anna Collard avec le ministre. Aussitôt qu'on fait quelque chose de bien, on est chanceux, ou c'est pas de notre faute, ou c'est le cosmos qui l'a réglé. Je veux revenir aux rues conviviales. Lors du plénier, il y a quelques jours, j'ai entendu quelqu'un du côté de l'opposition dire « Ah, moi j'y pense depuis 20 ans ». Ah ouais? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ensuite, j'ai entendu, oui, oui, mais on a fait un avis de proposition là-dessus. Je pense que je vais en parler de l'avis de proposition. Alors, nous, on a commencé par la côte Sainte-Claire. Hein? Ensuite, il y a eu la rue Anna, et tout le monde comprenait bien qu'on faisait des tests pour s'en venir avec une politique et un plan de rue conviviale. Et l'opposition, pas folle, a dit, il faudrait bien récupérer ça. Hein?
Alors, il savait bien où on s'en est, puis tout d'un coup, le 2 juillet 2014, l'opposition dit... Puis il dit, c'est tellement bon ce que vous avez fait sur la rue Anna, c'est à cause de Sainte-Claire, c'est tellement bon qu'il faudrait continuer. On a dit, c'est parce que, excusez-nous, c'est un truc politique, parce qu'on continue déjà. C'est ce qu'on va faire. On s'en vient avec une politique. Alors, nous autres, on a dit, non, on ne votera pas pour ça, parce que c'est un frame-up politique, cette affaire-là, c'est de la récupération. Alors, je veux le dire, parce que quand j'ai entendu, ça fait 20 ans qu'on y parle, j'ai dit, c'est-tu de valeur que vous ne l'ayez pas fait? Hein, c'est-tu de valeur? Alors, je veux dire, c'est ça pour les populations, parce que ensuite, j'ai entendu que Mme la chef d'opposition disait, « Ah, vive les élections! » Ben non, c'est pas vive les élections, c'est parce que vous avez essayé de récupérer, comme dans le cas des rivières. Vous avez dit, c'est pas mal bon, on voudrait participer à ça. Non, non, bon, on va le faire, ne vous en faites pas. Alors, l'idée qu'il l'avait dit, là, qu'il l'avait dit, il fallait que ça se fasse, cette politique-là, excusez-nous, c'est parce que on en avait deux rues de fête. Ils savaient où on s'en allait, puis on dit, pourquoi qu'on ne récupérera pas la solution puis la beauté de la chose? Au moins, dans cet avis-là, ils disent qu'on a été bon. Bravo. Pour le reste, récupération politique, effet nul. D'autres interventions sur le sujet de M. Normand? Pas d'autres interventions? Mme Verroux? Tu... Madame la Présidente, moi, j'aimerais ça ajouter un C au 3R, les jardins communautaires, parce que ça fait partie beaucoup du développement durable aussi. Puis je pense que notre équipe, on travaille depuis un certain temps, on a fait faire un rapport, on a beaucoup de... une volonté vraiment là, de se diriger de plus en plus vers l'agriculture urbaine, de multiplier les jardins communautaires. Il y a déjà des sites de répertoriés. Je ne rentrerai pas dans l'analyse fine de tout ça, mais c'est sûr qu'on va aller de l'avant avec la création de nouveaux jardins communautaires pour permettre, dans différents secteurs, aux gens de... différents modèles aussi de jardins communautaires, peut-être pas nécessairement par l'eau. Ou il y a différents, maintenant, dont on peut voir différentes façons de faire de l'agriculture urbaine. Alors, c'est une de nos priorités de s'en aller vers ce chemin-là d'agriculture urbaine. Et si je peux me permettre de revenir sur les ruelles, même dans les ruelles, avec le nouveau programme, je vous dirais que ça pourrait être éventuellement un endroit aussi pour faire un peu d'agriculture urbaine. C'est tout ça, je pense, qui va venir se rattacher au bout du compte avec les 3 R, les rivières et le C pour jardin communautaire. Permettez-moi de l'ajouter. Alors, j'ai hâte qu'on puisse en annoncer et en parler plus longuement au niveau des jardins communautaires et notre plan de match à cet effet. Merci. Merci. D'autres interventions? Non, dans ce cas, j'invite M. Voyer en intervention principale. Oui, Mme la Présidente, j'aimerais vous parler de la consultation publique faite par la Société d'assurance automobile du Québec sur la sécurité routière. C'est la première fois que la SAC faisait une démarche élargie pour consulter la population sur la sécurité routière. La Ville a d'ailleurs déposé un mémoire vendredi dernier. La SAC, lors de l'événement, a d'ailleurs souligné nos efforts en matière de sécurité routière et notre collaboration étroite avec les organismes du milieu. La Ville est la seule de la province à avoir une stratégie de sécurité routière depuis maintenant une dizaine d'années. Depuis maintenant 10 ans, je devrais dire. Ce que certains appellent la vision zéro, nous, on l'appelle, comme plusieurs, stratégies de sécurité routière. Les 3 dernières stratégies de sécurité routière mises en œuvre par la Ville depuis 2007 avaient pour objectif d'améliorer le bilan routier et visaient principalement les clientèles vulnérables. Ces stratégies se déclinaient en plusieurs axes, comportaient de nombreuses actions, que ce soit court, moyen ou long terme, qui sont comprises dans la vision zéro de plusieurs organismes. Nous, notre approche en matière de sécurité routière est basée sur les 3 E. Et je m'excuse de mon anglais, là, mais Engineering, Education, Enforcement. Good. Donc, la conception et gestion de la route, la sensibilisation et la surveillance. Donc, le concept de la conception de rue, c'est fondamental. Donc, c'est pourquoi notre administration a annoncé la semaine dernière les rues conviviales. Donc, notre approche est intégrée, globale, tient compte de plusieurs paramètres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas juste une seule mesure qui augmentera la sécurité et le sentiment de sécurité des citoyens. Surtout, il faut aller plus loin dans le partage et la cohabitation harmonieuse des différents usagers de la route.
Deuxième élément, la sensibilisation, c'est un élément très, très, très important de la stratégie de sécurité routière. Sans l'apport des citoyens, sans le développement des bons comportements, on ne s'en sort pas. C'est pour ça qu'il faut continuer les campagnes visant la sécurité des usagers vulnérables et puis le partage de la route. Concernant la surveillance sur le territoire, là, on peut mettre des policiers partout. On peut mettre des dodans un peu partout, mais est-ce que c'est efficace? Puis la réponse est non, pas du tout. Ça n'est pas efficace. Il y a d'autres outils, il y a d'autres solutions intelligentes, mobiles, adaptatives, comme par exemple le gestionnaire artériel, qui sont mis en place afin d'augmenter la sécurité et le partage harmonieux de la route avec les différents usagers. La consultation qui vient de se terminer avec la SAC a été intitulée « La sécurité routière, ça nous concerne tous ». La SAC a bien raison. La sécurité routière, ça se vit au quotidien, sans relâche, proche des citoyens, proche des écoles puis dans nos rues. On y travaille depuis 10 ans. La réduction du nombre de décès et de blessés, c'était un objectif à long terme. Aujourd'hui, c'est une réalisation et les statistiques l'indiquent. Malgré ça, ce n'est pas terminé. On va continuer à travailler avec nos citoyens. Merci. Merci, M. Boyer. Des interventions? Non, dans ce cas, j'invite Mme Corriveau à prendre la parole. Merci, Mme la Présidente. Le 26 février dernier, Québec a vécu un événement exceptionnellement beau. Deux créateurs de chez nous, Byron Mikhailov, chanteur et guitariste du groupe The Lost Fingers, et le concepteur et metteur en scène Olivier Dufour, ont uni leurs forces pour initier rapidement et mettre sur pied un spectacle intitulé « Ensemble ». Cet événement a permis de célébrer la diversité de la culture québécoise et apporter un baume sur la grande tristesse que nous avons tous vécue le 29 janvier 2017. Les citoyens, ils étaient plusieurs, ils étaient au-delà de 1200 sur place pour assister à ce spectacle, une dizaine à l'extérieur pour voir le spectacle sur écran géant. Alors, je remercie messieurs Mikhailov, Dufour, pour leur travail exceptionnel dans un temps record à la réalisation de ce spectacle, et tous les partenaires aussi, monsieur Jean Pilote qui a prêté la salle du Capitole, Monsieur Peter Simons, qui a aussi contribué financièrement, contributions selon lesquelles, sans lesquelles, il n'aurait pas été en mesure de tenir le spectacle. 260 bénévoles aussi ont participé à offrir à mettre la main à la pâte, et aussi une centaine d'artistes qui ont fait des performances touchantes et rassembleuses. Maintenant, vous allez me permettre, et je vais peut-être aller au-delà du 3 minutes, je vais essayer de faire vite, mais de partager en lecture un moment fort de cette soirée. C'est le texte de Mme Anne-Marie Olivier, auteure et comédienne, avec qui elle a contribué, avec M. Alain Olivier et Wajid Mouawad. Alors, c'est un texte qui résume très bien le ressenti de nous tous et qui viennent nous apporter une réponse face à cette tragédie. Depuis le 29 janvier, depuis que le sang a coulé, que des vies inestimables ont été arrachées, nous voici, le cœur en miettes, avec une tristesse infinie, un désarroi abyssal, inconsolable, ébranlé devant l'horreur, l'innommable, l'inacceptable, la tête pleine de questions sans réponse, nous demandant comment panser cette blessure effroyable. Ce soir, le cœur battant, les yeux brillants, nous clamons haut et fort, ceci n'est pas le visage de notre pays. Pour tous et toutes, sans exception, nous voulons vivre dans un Québec humaniste, généreux, un Québec riche de la richesse de chacun. Ne faisons surtout pas comme si rien ne s'était passé, à jamais et en tout temps, restons intranquilles, vigilants devant toute manifestation de violence. Il nous faut répondre à la haine par l'ouverture à l'autre, répondre à la folie par la bienveillance, répondre à l'aveuglement par l'éducation, répondre au désespoir par la solidarité, répondre au racisme par l'inclusion, répondre à la barbarie par la beauté, répondre à la mort par l'amour. Arrêtons d'avoir peur de ce que nous connaissons peu. Déjouons les algorithmes qui nous isolent. Soyons intraitables devant l'intolérance. Ce spectacle est une déclaration d'amitié pour continuer à grandir ensemble. Seuls, nous ne sommes rien. Mais ensemble, rien n'est plus beau que d'être ensemble, et ce n'est qu'ensemble que nous puiserons assez de force. Pour continuer à vivre,
vivre ensemble. Québec, utilise ta grande gueule pour parler fraternité. Québec, reste debout. Appelle les grands vents du courage. Québec, garde l'esprit large. Québec, montre ton cœur immense et tes bras grands ouverts. Voilà une infime et une grande portion de cette soirée qui s'est tenue le 26 février dernier. Merci. Merci beaucoup, Mme Corriveau. Des interventions? Monsieur le maire? Écoutez, peu de choses à rajouter, sinon que j'étais présent ce soir-là, j'ai été tout à fait subjugué par la qualité des prestations. La mise en scène, la réalisation, la suite des choses, c'était tout à fait formidable. Moi, je vous dis, j'habite à Québec depuis à peu près 100 ans et j'ai découvert de nouveaux artistes que je ne connaissais pas. J'ai été sidéré de le constater. Et je me suis dit, pendant la soirée, fallait-il qu'il y ait une fusillade à Québec pour que je découvre ces artistes-là? J'étais complètement, quasiment attristé du fait. Alors, la finale de la soirée où tous les musiciens quasiment qui ont donné des prestations étaient sur scène, de la sitar à la bass rock, etc., ils ont donné une finale qui était à donner la chair de poule. Et quand on dit, dans le fond, qu'on peut s'aimer, se connaître par le plaisir, je pense qu'ils en ont fait une magnifique démonstration. C'est le plus bel événement de vivre ensemble que j'ai jamais vu à Québec. Merci. Merci. Donc, Mme Gilbert? Oui, peut-être comme le maire, j'y étais aussi, puis je pense que ça vaut la peine de réaliser à quel point on est privilégié de vivre dans une ville comme la nôtre et d'avoir surtout des artistes qui ont réussi à se mobiliser aussi rapidement, tous ensemble, d'avoir un mécène, comme aussi M. Peter Simons, qui a soutenu l'événement, d'avoir tous ces gens, tous ces bénévoles là, qui se sont regroupés autour de cet événement grandiose. Alors là, on a vu vraiment toute l'humanité de nos citoyens. Il a prouvé que nous savons être ensemble. Nous sommes capables d'être ensemble, nous sommes capables d'être solidaires. Alors, je voudrais féliciter vraiment Olivier Dufour et M. Byron Mikhailov qui ont encore une fois, pour le remercier pour la capacité qu'ils ont eu à réunir toute la communauté. Alors, félicitations encore une fois et merci. Merci. D'autres interventions sur le sujet? Dans ce cas, j'invite Mme Jean à prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, si vous me permettez, je vais vous emmener tout à fait ailleurs. Je vais vous parler de développement économique. C'est quand même un créneau qui me tient à cœur et qui tient à cœur à tous les membres du Conseil, j'en suis certaine. J'aimerais vous faire une petite mise à jour le bilan, justement, de la stratégie de développement économique qu'on a adoptée en 2002. En date de février 2017, nous en étions un bilan fort intéressant, soit 146 projets qui ont été déployés dans le cadre de la stratégie de développement économique, totalisant une valeur de tous ces projets-là de 118,5 millions. Et pour ce qui est de l'investissement de la stratégie en regard de ces projets-là, on parle de 23,4 millions. On est toujours dans un processus d'effet levier de 4 pour 1, ce qui est exceptionnel. On l'a déjà mentionné lorsqu'on parle de différents programmes gouvernementaux ou peu importe le secteur. Quand on parle d'un rapport effet levier de 2 pour 1, c'est déjà excellent. Alors, quand on parle effectivement là, d'un bilan aussi fort de 4 pour d'un sens pour chaque dollar d'investissement, 4 sont générés. On est très heureux de ça. Vous savez, la stratégie de développement économique repose sur 3 axes là, qui s'articulent comme suit. Soutenir la communauté entrepreneuriale, l'émergence de l'entrepreneuriat à Québec, l'innovation, la créativité, puis aussi le fait de miser sur des projets qui nous permettent d'être une ville de plus en plus attractive. Parmi des projets qu'on supporte, on en a beaucoup parlé dans les derniers mois, l'importance de générer du capital de risque au sein de la région, de la capitale nationale. Et j'attire votre attention sur un nouveau fonds qui a été annoncé en septembre dernier, dont on n'a pas assez parlé, je crois. Donc, je me permets de le faire, le fonds Innovation
Expert, un fonds de 30 millions de dollars qui a été annoncé, comme je viens de le dire, au mois de septembre et qui fait l'objet d'une belle collaboration entre plusieurs partenaires, Investissement Québec, Fonds d'action CSN, la Caisse de dépôt de placement, évidemment la Ville de Québec. Également, 15 entrepreneurs de la Ville de Québec qui ont décidé eux-mêmes d'investir des fonds privés à la hauteur de 150 000 $ chacun. On les appelle les G15, qui, eux, travaillent de concert avec Richard Bordelot, le président de Fonds InnovExport, pour soutenir les entreprises en émergence, à fort potentiel. Tous les trois mois, les entreprises qui désirent, qui ont un projet de commercialisation, d'exportation internationale, peuvent soumettre leur projet au Fonds InnovExport. Et c'est vraiment fascinant de voir toute l'énergie qui a été déployée depuis la lancée de ce fonds-là. On va probablement procéder au bilan du fonds dans les prochaines semaines. Soyez attentifs quant aux projets qui vont surgir de là. Je pourrais faire le parallèle. Vous savez, au sein de la Ville de Québec, on a plusieurs projets qui fonctionnent bien, des entreprises qui sont le théâtre de beaux résultats économiques, créateurs d'emplois, mais plusieurs de ces entreprises ont un potentiel pour devenir vraiment des multinationales. Alors, c'est ce que ces gens-là essaient de faire, permettre le déploiement international de ces entreprises-là. C'est un peu comme si Alex Harvey était demeuré peut-être un athlète qui s'entraîne par loisir sur les plaines d'Abraham, mais parce qu'il fait partie de l'équipe nationale, entouré des meilleurs, d'experts qui le suivent, bien, ça fait un champion du monde, comme on a vu cette semaine. C'est la même chose, un peu, l'esprit qui est derrière le capital de risque et le fonds InnovExport. En terminant, je vous rappelle également que la stratégie de développement économique appuie également la part de InnoCentre avec son programme d'accélération au sein de la Ville de Québec. Arrimer tous ces acteurs-là, le camp, InnoCentre et InnoExport, permet vraiment de générer beaucoup d'investissements. Il y a 5 projets qui ont été soutenus plus spécifiquement de la Ville de Québec par InnoCentre dans les 2 dernières années, qui ont généré des investissements de 25 millions. Puis l'accompagnement d'InnoCentre, c'est un accompagnement très personnalisé, très soutenu, qui permet de recevoir des conseils d'experts pour une valeur de 100 000 $ par entreprise soutenue. Alors, on est très heureux de voir ce qui est en train de lever. Je pense qu'on va revenir bientôt aux belles années du capital de risque à Québec. Puis merci aux acteurs, Richard Bordelot, Claude Martel et toute l'équipe de la stratégie de développement économique qui travaille très, très fort pour nos entreprises ici. Merci. Merci, Mme Jean. Des interventions sur le sujet? Non, dans ce cas, j'invite Mme Doy à prendre la parole. Merci, Mme la Présidente. Donc, moi, je vais vous parler d'une activité qui s'est terminée il y a quand même quelques semaines, mais je n'ai pas eu l'occasion de faire le tour. Donc, je vais vous parler du carnaval. Ça fait juste quelques semaines que c'est terminé. Donc, le mois passé, j'ai eu le plaisir de participer à la cérémonie de clôture du carnaval. Et même si l'organisation est encore en train de compiler les chiffres, je pense que nous pouvons déjà affirmer, sans nous tromper, que l'événement a été couronné de succès. Je tiens à remercier la population et les touristes d'avoir si bien répondu à l'appel de Bonhomme, étant donné les circonstances, et d'avoir participé en grand nombre, non seulement aux nouvelles activités, mais aussi aux classiques qui sont tant appréciés du carnaval. Je tiens d'ailleurs à féliciter les organisateurs pour tout le travail réalisé. Comme dans tout événement, de nombreux défis se sont présentés à eux, mais ils les ont relevés, je crois, avec brio. Rappelons que le premier objectif du plan de relance de 3 ans était de ramener l'équilibre financier, et je crois qu'on peut se dire que cet objectif est maintenant atteint. Le carnaval est sans doute une véritable source de fierté pour les gens de Québec et il contribue grandement à confirmer notre nordicité internationale d'une ville nordique. C'est pourquoi nous avons la conviction que cet événement pourrait retrouver les chemins du succès en se renouvelant. Je pense que la décision d'avoir éclaté l'événement sur 5 nouveaux sites était la bonne. En tout cas, tous les commentaires que nous avons reçus de la part soit des touristes ou des citoyens étaient très positifs. Les gens ont réellement pu vivre le carnaval et s'imprégner de la fête. Et c'est pourquoi nous souhaitons tous. Je suis en train de perdre la voix, Madame la Présidente. Je vais essayer de faire ça plus court. Les activités étaient plus dynamiques. Il y avait aussi un grand nombre d'événements gratuits. Et cela a contribué à conquérir les carnavaliers et le succès de la fête. En terminant, ça fut une excellente année de renouveau pour le carnaval. Et nous croyons sincèrement que l'organisation a maintenant une base solide pour confirmer et continuer de consolider l'événement l'an prochain. En tant que partenaire important de cette grande fête qui fait rayonner la Ville de Québec, nous sommes fiers d'avoir été partenaires et d'avoir participé à ce succès et nous pouvons également vous dire que nous sommes très confiants pour l'avenir et nous serons tous au rendez-vous l'an prochain. Merci.
Merci bien. Des interventions sur le sujet? Madame Jean? Merci, Madame la Présidente. À nouveau, j'aimerais attirer votre attention sur les propos de ma collègue, Madame Morin-Deuil, sur le fait que tout ça entraîne des effets très positifs au niveau des chiffres d'affaires de nos entrepreneurs, de nos entreprises, spécifiquement dans les secteurs touristiques. J'ai lu pendant cette période plusieurs commentaires de restaurateurs, notamment d'hôteliers, qui parlaient de vraiment un des meilleurs mois de janvier qu'ils ont vu dans les dernières années. Même le propriétaire Yannick Parent du Bello et du Savigny parlait d'une augmentation de 25% pour le mois de janvier, qui est somme toute assez exceptionnel. On ne se le cache pas, lorsqu'on entend les commentaires des touristes également, bien, la belle neige, évidemment, ça peut évidemment poser des défis au niveau peut-être de la gestion de nos arrondissements, mais pour le tourisme, pour nos événements, je pense que ça a eu un effet très positif dans l'esprit, dans la représentation que les gens qui sont passés par ici se font d'une capitale de l'hiver. Alors, sur cet aspect-là, je pense qu'on a vraiment marqué le tout. Si vous me permettez rapidement, j'ai pris connaissance des chiffres concernant l'Office du tourisme, publié par l'Office du tourisme de Québec, concernant justement l'achalandage dont parle Mme Morin-Deuil. C'est quand même assez exceptionnel comme résultat. On parle d'une activité touristique augmentée, si on compare à l'année dernière, de 10,6 % dans la situation actuelle. Là, on peut parler vraiment d'un succès incroyable. Au niveau de l'occupation hôtelière, on s'entend qu'il y a toujours des défis, surtout au mois de janvier, une augmentation de 12 %. Et une des plus grandes augmentations est au niveau des sites et des attraits. On parle d'une augmentation de plus de 31 % d'augmentation de fréquentation de nos sites. Écoutez, je pense qu'on peut parler d'un succès assez impressionnant. Et au niveau même des affaires, j'en parlais tout à l'heure, nos boutiques nous disent que leurs ventes ont augmenté de 20 %. Alors, je pense qu'on peut vraiment, comme disait Mme Morin-Deuil, être très heureux que des événements-là génèrent autant d'activités, autant au niveau touristique, mais évidemment, nos gens d'affaires récoltent les fruits de ces événements-là. Et la nouvelle formule du carnaval, je pense, a été bien accueillie également au niveau des gens d'affaires. J'ai entendu et j'ai lu beaucoup de commentaires positifs en ce sens. Alors, on est très, très heureux du travail qui a été fait. Et la plupart d'entre eux nous disent qu'ils sont très optimistes quant à la saison estivale. La plupart d'entre eux ont déjà plus de réservations et plus d'appels qu'à l'habitude. Alors, ce n'est que le début, probablement, d'une année touristique exceptionnelle. On le souhaite. Merci. Merci. D'autres interventions? Non? Dans ce cas, j'invite M. Verrette à prendre la parole. Merci, Mme la Présidente. Comme responsable des sports et des loisirs, j'aimerais faire un petit retour sur l'inauguration qu'on a eue le 20 février dernier sur le centre sportif Rochebelle, comme on aimait l'appeler la Palace Ouest. Donc, c'est un projet de 15 millions, donc 3,750 000 de Québec, de la ville, 3,750 000 de la commission scolaire et 7,5 millions du ministère. C'est un équipement merveilleux. On parle de 6 000 mètres d'espace, un gymnase double, un centre d'entraînement, une palace de 1 600 mètres avec une salle d'entraînement. Donc, ça vient pour la Ville de Québec consolider l'offre de services de gymnase. On sait que dans chacun de nos districts, on a souvent besoin de gymnase, les fins de semaine, les soirs, et ça vient combler une demande qui est là. Aussi, on parle, pour le programme, les 1 500 jeunes de Sainte-Foy. C'est un équipement qui était attendu depuis, si vous me rappelez, moi, M. le Président de l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery, on dit 10 ans. C'est ce qu'il disait, merci M. Normand, c'est 10 ans que le projet avait été commencé. Ça fait plus de 10 ans que le projet avait été commencé. Rochebelle, M. le Président de Sainte-Foy. Oui, c'est M. le maire. Je m'excuse, vous avez raison. C'est M. le maire. Donc, c'est un programme qui était attendu. Je me rappelle. S'il vous plaît. Donc, c'est un programme qui était très attendu. Puis, à partir de 2017, septembre 2017, il va pouvoir avoir un programme de sport-études en gymnastique. Donc, on souhaite la bienvenue au Centre sportif Rochebelle parmi nos centres. Notre complexe sportif de soccer à Chauveau, Marc Simoneau. On a le PEPS. Et bientôt, au mois d'avril, on va annoncer la palace Est à Charlebourg. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Verrette. Des interventions sur le sujet? Aucune intervention? J'ai épuisé la liste des membres du Conseil qui souhaitaient intervenir ce soir. Il reste encore quelques minutes. Est-ce que des gens souhaiteraient intervenir? Non. Dans ce cas, M. le maire, en fonction de l'article 54, vous avez 3 minutes pour conclure cette période. Je ne ferai pas 54 secondes, madame. Écoutez, c'est juste pour vous dire que, évidemment, j'étais très chanceux
d'avoir laissé que le ministre, le projet de Nicolas, ne peut pas être plus chanceux que moi. Alors, je remercie la chef de l'opposition de ses bons sentiments. Vous savez, le dossier d'Anna Collard a commencé en septembre 2013. Et jamais la Ville a été impliquée, à part qu'administrativement, dans plusieurs gestes, quant à sa responsabilité quant aux contaminants. Pendant 3 ans, ça a été uniquement le ministère de l'Environnement. Les gens ont commencé à penser que c'était vrai, qu'on pouvait agir quand l'opposition a politisé le dossier, c'est-à-dire à l'automne de l'an dernier. Pendant 3 ans, tout le monde avait compris que la Ville n'avait pas de pouvoir, jusqu'à temps que l'opposition décide de politiser le dossier. Alors, je veux juste le dire, ils ont le droit, c'est de la politique. Je ne suis pas obligé de trouver intelligent en politique, là, mais c'est de la politique. Mais pendant 3 ans, ça a toujours été uniquement le ministère de l'Environnement, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que ça doit aller, jusqu'au temps où l'opposition a décidé, l'automne passé, de politiser le dossier. Et l'opposition n'a pas fait avancer le dossier. Ce qui a fait avancer le dossier, c'est mes collègues qui étaient en contact avec ces citoyens-là qui nous ont permis de faire ce qu'on a fait il y a 2 vendredis. Voilà. Merci. Donc, ceci met fin à la première période d'intervention des membres du Conseil. Nous en sommes maintenant à la période de questions des citoyens. J'ai avec moi la liste des citoyens qui sont intéressés à venir prendre la parole. Je rappelle à ceux-ci qu'en fonction de l'article 64, ils ont 1 minute pour à la fois faire en fait un préambule et par la suite poser leurs questions. Et je leur demanderai de bien vouloir d'entrée de jeu nous dire à qui s'adressera leur question. Pour débuter, j'invite Mme Delaouet à venir prendre la parole. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir. Malvina Michel, roi de l'Oise. Je veux parler de la grève. Parfait. Et votre question s'adressera à M. le maire? Pardon? Votre question s'adressera à M. le maire? Oui, ça sera une bonne chose. Bon, parfait. Allez-y. La question, comment, en 2017, à Québec, peut-on encore en être à cette aberration? La grève appauvrit le travailleur à court et à long terme. La grève provoque la colère des citoyens par sa nuisance. La grève est aussi un mépris de la Charte des droits pour sa mauvaise foi et son abus de pouvoir d'un petit groupe sur la collectivité, sur tous les citoyens, car elle brise un service public et le lien de confiance. La grève n'a plus sa raison d'être, car elle est dépassée aussi. Elle rappelle la bêtise des national-socialistes et l'ultranationalisme raciste qui porta Hitler au pouvoir et provoqua l'épouvantable guerre 39-45. Des moyens plus intelligents donneraient de meilleurs résultats, ainsi que des exigences moins farfelues de la part des syndicalisations. Alors la question, qui en tire réellement profit de la guerre, de la grève, vaut mieux de bonnes discussions. Merci, Mme Roy de la Wade. Ce sera M. Rémi Normand qui va vous répondre. Je vous invite à aller vous asseoir. Merci de votre question, Mme Delwade. Vous posez... Un instant, Mme va mettre ses écouteurs pour entendre votre réponse. Allez-y. Allez vous asseoir, Mme Delwade. Vous posez de très bonnes questions, Mme Delwade. Je vous dirais essentiellement ceci. La grève est un mécanisme prévu dans la loi. Il a soulevé par le passé de multiples problèmes, je pense, dans le monde municipal ainsi que dans les sociétés de transport. C'est pourquoi M. le maire, qui est ici à côté de moi, a posé certains gestes par le passé pour essayer de réformer un peu
le cadre légal qui gouvernait la négociation des conventions collectives dans le secteur municipal, incluant les sociétés de transport. Donc aujourd'hui, on est à l'intérieur des balises de la loi 24 qui a procédé à cette réforme-là. Donc, le mécanisme existe encore, mais il est au moins contraint à l'intérieur de certains délais, de certains échéanciers au travers desquels nous sommes présentement. Ça n'exclut pas totalement la possibilité pour un syndicat de faire une grève, mais ça le balise de façon beaucoup plus serrée qu'auparavant. Alors, je vous dirais, on espère comme vous que ça va bien aller puis qu'il n'y en aura pas, mais on ne peut pas offrir de garantie au moment où on se parle. Merci, Mme la Présidente. Merci. J'invite maintenant Claude Lheureux à venir prendre la parole. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Madame la Présidente. D'abord, je vais dire que j'ai de la misère à vous entendre, messieurs, mesdames, les conseillers. Je suis dur de la feuille. Il y aurait intérêt à ce que le son se monte un petit peu ici. Maintenant, ma question s'adresse à monsieur Labeaume. Je vais vous parler de densification que j'appelle « sauvage ». Sur une portion, la portion nord de la rue Strasbourg, il y avait deux maisons unifamiliales, toutes de briques vêtues, avec plusieurs arbres matures. Ces deux emplacements phares, je dis bien phares, sont maintenant occupés par deux multilogements de vinyle et de tôle vêtue, avec stationnement à l'avenant. Alors, ma question, c'est, dans une densification souhaitable, ne devrait-il pas y avoir des contraintes environnementales et esthétiques pour ces entrepreneurs? Moi, j'y vois là, d'ailleurs, un conflit d'intérêts. Hein, quand on se vante de ne pas faire partie de la commission Charbonneau, là. On va répondre à votre question. Merci. Monsieur Normand? Oui, Madame la Présidente. Je ne connais pas le dossier particulièrement de la rue Strasbourg, là. Mais à ma connaissance, on ne l'a pas vu à l'arrondissement, donc c'est un dossier qui était à l'intérieur des paramètres permis par les grilles de zonage. Il n'y a pas rien qui a été échappé en termes de densification. Ce n'est pas un dossier qui nous a été présenté, sauf erreur, là, je ne me rappelle pas. Mais je pourrais faire les vérifications si M. Lheureux veut laisser ses coordonnées à notre recherchiste. Je vais faire les vérifications appropriées, puis on va lui revenir de façon personnalisée. Merci. Merci. J'invite maintenant Serge Boivin à venir prendre la parole. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Verrette. Ce serait pour la cour Escade dans la rue du Sentier, que j'ai appelé à plusieurs reprises pour pas de permis, cours d'eau à 500 pieds. Pardon? OK. Cours d'eau à 500 pieds qui se jette dans le ruisseau des eaux fraîches. Après ça, il y a un gros tas de fer. Là, ils ont commencé à le vider depuis le 10 janvier. À tous les jours, une vente vers 8 heures. Puis c'est... je ne sais pas s'il va y avoir un suivi. Ma mère habite à 100 pieds de ça. Donc, la question, ça va savoir qu'est-ce qui se passe dans le secteur et pourquoi il y a des déversements. Oui, parce que je n'ai pas eu de réponse. Parfait. Monsieur Verrette va vous répondre. Merci. Merci de votre question. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci, M. Boivin. On s'est parlé. J'ai donné le dossier à M. Gaétan. Au niveau des permis à l'arrondissement, il y a un conflit aussi juridique qui est dans le dossier, Madame la Présidente, avec peut-être, je ne sais pas qui dans la rue, on ne l'a pas dit parce qu'on n'a pas accès à ces informations-là. D'un deuxième temps, on se doit d'être très prudent. C'est un usage qui est là depuis de nombreuses années. Mais comme il est dans le bassin versant de la prise d'eau potable, on est tout en réflexion avec tous les usages qui ont été faits. On le fait ici. On a d'ailleurs travaillé très fort sur la rue Roussin. On a enlevé des usages, on a travaillé. C'est un dossier qu'on prend très au sérieux, Madame la Présidente. Par contre, comme je l'ai dit, M. Boivin a été rejoint par les fonctionnaires et il y a aussi une question juridique que je n'ai pas accès, Madame la Présidente, dans le dossier. Merci. J'invite maintenant M. Daniel Beaulieu à venir prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la conseillère du district de Saint-Thérèse-de-Lisieux. Encore une fois, lors du dernier conseil de ville, j'ai posé la question deux fois à mon conseiller municipal. Je n'ai pas eu de réponse. Il a été muselé par le maire. Alors, je la repose encore, toujours et encore. Sur la haine, qu'est-ce que la haine? On entend beaucoup parler de la haine dernièrement. Alors,
Est-ce qu'un élu qui menace de donner un coup de poing à un élu de l'opposition, est-ce que c'est de la haine? Qu'un homme qui menace d'arracher la tête à un autre homme à cause de ses croyances religieuses, est-ce que c'est de la haine? Et un élu qui dit qu'il battrait une candidate à l'élection fédérale, est-ce que c'est de la haine? Donc, Madame la Présidente, ma question pour la conseillère du district de Sainte-Thérèse de Lisieux, est-ce que c'est de la haine? Merci, Monsieur Beaulieu. Oh, tellement sympathique, M. Beaulieu. Il a l'air obsédé par ça. Alors, on va le laisser vivre dans son obsession, là. D'autres citoyens souhaiteraient intervenir à cette période qui leur est réservée? Non, dans ce cas, ça mettra fin à la période qui leur est réservée. Nous en sommes maintenant au point 9, avis de proposition. Oui, bon, mais j'ai fait de l'appel à ceux qui souhaitaient. Personne ne s'est manifesté. On est passé au point suivant à l'ordre du jour. Donc, allez-y, M. Lheureux. Alors, voici, Mme la Présidente. Moi, je vais dire d'entrée de jeu que je trouve que c'est un haut lieu de la démocratie en ces temps-ci, le conseil municipal, parce que nous, les citoyens de Québec, n'avons plus l'occasion de nous faire entendre. Je vous rappelle qu'à Radio-Canada, il y avait une tribune à tous les midis. Il n'y en a plus. La seule tribune qui nous reste, c'est celle de la RDI le vendredi, la période des questions. Alors, ma question va s'adresser à M. Labeaume. Allez-y. Puis c'est un sujet, justement, qu'on n'a pas entendu dans aucun des médias actuellement. Il s'agit du 100e anniversaire de la revue L'Action nationale. Alors, cette revue fête ses 100 ans cette année sans qu'aucun média l'ait souligné, alors même que j'ai approché les deux animateurs de Tout le monde en parle, Catherine Lachaussée de Radio-Canada et la direction du Devoir. Dans les années 70-80, son directeur, le père Jean Genet, attribuait la chute des abonnements au silence des grands journaux. L'histoire se répète. Monsieur Lheureux, je vous demanderai d'en arriver à votre question, surtout que malheureusement, ça ne concerne pas les affaires de la ville. Vous parlez d'une revue... là. Ça la concerne, madame, peut-être de façon éloignée, allez-y, mais ça la concerne certainement, parce qu'il n'y a pas seulement qu'un volet municipal. Votre là. Question, s'il vous plaît, monsieur Lheureux. Alors, moi, je voulais rappeler justement les événements qui... je vais faire ça rapidement, madame la présidente. Votre temps est pratiquement écoulé, donc je vous demanderai effectivement d'y aller très rapidement. Alors, ma question au maire Labeaume... Connaît-il la revue et en voit-il l'importance que nos élus prennent soin de s'y abonner comme ça se faisait dans le passé? Merci. Bien sûr qu'on connaît la revue, mais ce n'est pas de nos affaires à la ville. Donc, merci. Nous en étions au point 9, avis de proposition. Est-ce que des membres ont de nouveaux avis de proposition à déposer? Monsieur Dufresne. Merci, Madame la Présidente. Alors, c'est un avis pour M. Guetta Marcoux, attendu que le... M. Dufresne, vous oui. confondez. Vous confondez les propositions sans préavis et les avis de proposition. Donc, on se reverra au prochain point à l'ordre du jour. Donc, Mme Guérette, vous aviez un nouvel avis de proposition à déposer. Oui, Mme la Présidente. Alors... Merci. Attendu que du 27 février au 3 mars se tenait la 5e édition de la Semaine nationale de la stérilisation animale au Québec. Attendu que cet événement a pour objectif de sensibiliser les représentants du gouvernement et les élus municipaux à l'importance de voter des lois et des règlements incitant et favorisant la stérilisation animale, en particulier celle des animaux errants ou vivant dans les refuges. Attendu que pour l'Association des médecins vétérinaires du Québec, la stérilisation constitue la meilleure, sinon la seule solution pour mettre un frein à l'errance, l'abandon, la souffrance ou l'euthanasie des animaux domestiques. Attendu que l'Association des médecins vétérinaires du Québec estime qu'il y aurait près de 2 millions de chats et 1 million de chiens dans toute la province de Québec. Attendu que la Ville de Québec a octroyé pour 2016 à 2018 un contrat de 3,5 millions pour la gestion animalière à Québec. Attendu que la Ville de Québec, qui demeure responsable de la gestion animalière sur son territoire, n'oblige pas formellement l'organisme mandataire à stériliser et micropucer tous les animaux qui leur sont confiés, bien que ce soit spécifiquement mentionné dans l'appel d'offres. Attendu que la Ville de Laval a adopté récemment un règlement qui oblige les propriétaires à faire stériliser et micropucer
leur animal domestique. Attendu que plusieurs villes au Québec, dont Brossard, Montréal et Laval, ont également développé, en plus d'une réglementation plus stricte, des programmes de capture, stérilisation, relâche et maintien de la colonie pour diminuer la surpopulation féline sur leur territoire. Attendu que cette approche éthique, respectueuse de la vie et du bien-être animal, est reconnue par l'organisme SOS Félin comme la seule méthode efficace pour contrôler la croissance de la population des chats errants. Attendu qu'en mai 2014, l'organisme SPA Canada demandait à la Ville de Québec d'investir davantage dans des services de gestion animalière plus responsables, ayant pour objectif de réduire efficacement la surpopulation. Attendu que certains organismes de protection animale, tels que Mouvement Chat Errant et Voix Animale, militent activement à Québec depuis plusieurs années pour faire adopter une réglementation plus stricte et la mise sur pied de programmes capture, stérilisation, relâche et maintien de la colonie. Il est proposé que la Ville de Québec s'assure de faire respecter les termes mentionnés dans son appel d'offres pour les services animaliers municipaux, à savoir que les animaux recueillis doivent être examinés, vaccinés, stérilisés et micropucés. Attendu que la Ville de Québec mette sur pied un programme de capture, stérilisation, relâche et maintien de la colonie pour les chats errants. Alors, voilà. C'est ce qui est proposé. Merci, Madame la Présidente. Merci. Donc, est-ce que d'autres membres auraient des avis de proposition? Non. Dans ce cas, nous allons passer au point B. Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition. BT 2017-003. Donc, l'avis de proposition a été déposé par Mme la conseillère Anne Guérette lors de la séance du Conseil de la Ville tenue le 20 février dernier relativement à la vision zéro accident et à l'adhésion du réseau canadien des villes pour une vision zéro accident. Mme Guérette, est-ce que vous maintenez votre avis de proposition et vous êtes appuyée par M. Chouari? Donc, Mme Guérette, vous avez 3 minutes pour en faire l'exposé. Oui, merci, Mme la Présidente. Alors, la Ville de Québec nous répond, dans le fond, que ce qu'on demande, en fait, ce qu'on demande, c'est que la Ville de Québec se dote de la vision zéro accident. Comme on le dit dans notre avis de proposition, il y a plusieurs villes au Québec qui l'ont fait, dont Montréal, par exemple. La table de concertation vélo des conseils de quartier le demande. Les conseils de quartier Cité universitaire, Chute-Montmorency, Lairet, Montcalm, Vieux-Limoilou le demandent également. Accès transport viable demande aussi qu'on se dote d'une vision zéro. Nous-mêmes, nous avons demandé publiquement que la sécurité des piétons devienne une priorité et qu'on se joigne au mouvement, que la Ville de Québec se joigne au mouvement Vision Zéro. Montréal, déjà depuis septembre 2016, s'est doté d'une vision zéro accident. D'autres villes, Edmonton, Calgary, Vancouver, Toronto, ont également adhéré, des pays européens, etc. Donc, c'est sûr que la Ville nous répond. Dans le fond, la Ville nous répond à quelque part qu'elle est d'accord, mais qui refuse. C'est un petit peu surprenant. C'est-à-dire qu'on nous dit que la notion de vision zéro pourra être prise en considération plus tard. On nous dit que la décision de la Ville d'adhérer à ce réseau ne pourra être prise que lorsque les critères du Réseau canadien des villes pour une vision zéro ont été définis, ont été présentés. D'autres villes l'ont quand même fait, comme Montréal, par exemple. Alors, on nous dit qu'on est plutôt d'accord, mais qu'on ne veut pas nous donner raison là-dessus. Alors, peut-être que ce sera comme pour les rues conviviales, où finalement, on nous refuse, mais on va revenir avec la vision zéro plus tard. Ou encore la cuisine de rue, où on avait fait aussi un avis de proposition, où on nous avait dit non, mais finalement, plus tard, on est revenu avec ça. Ou les goulottes à vélo aussi, Madame la Présidente, un autre avis de proposition qu'on avait proposé. On s'est fait dire non, mais finalement, par la suite, l'administration La Bombe a annoncé des projets pilotes de goulottes à vélo. Alors, peut-être que dans le dossier de la vision zéro, c'est la même chose. On nous dit non. On nous reviendra peut-être en campagne électorale avec le fait que la Ville annoncera, que l'administration La Bombe, l'équipe La Bombe annoncera dans sa prochaine campagne électorale qu'elle se dotera de la vision zéro. Alors voilà, on va maintenir notre avis de proposition. Merci, Mme Guérette.
Merci. Des interventions, Monsieur le maire? Je me sens bien privilégié d'être aussi l'objet d'obsession de la chef de l'opposition. Relaxez un petit peu, franchement. Regardez, c'est assez simple. La vision zéro, c'est un branding. Nous, les brandings, pour être à mode, on n'embarque pas nécessairement là-dedans parce que c'est juste... La vision zéro, on dit c'est essentiellement une nouvelle appellation pour les stratégies en sécurité routière qui repose sur une diminution du nombre de victimes. On a trois stratégies depuis 2007 qui ont été mises. Nos affaires fonctionnent. Savez-vous pourquoi ils fonctionnent? On ne dit pas qu'on ne veut pas. On dit que nos affaires fonctionnent. C'est pas parce qu'il y a un nouveau branding dans le décor qu'on va embarquer. Écoutez, ça a été fondé en Suède, c'est en 1997. Okay? Et ils ont eu un succès extraordinaire. Ça a commencé dans les milieux ruraux. Ensuite, des milieux urbains. Probablement qu'il y avait beaucoup d'accidents. Elle, la Norvège, leurs voisins, pour répliquer ça en 2014, ils sont dotés d'un plan d'action national et triennal, hein, qu'ils n'ont pas appelé Vision Zéro. C'était une réponse à la Vision Zéro. Et comme la Suède était rendue le pays où il y avait le moins d'accidents grâce à leur Vision Zéro, les Norvégiens ont dit on va se faire un programme à nous qui nous ressemble. Puis bravo Vision Zéro, on va faire le nôtre. Et comme par hasard, en 2015, une année après, la Norvège a été le pays dans le monde où il y a eu le moins d'accidents. Ils ont battu la Suède. Ben, savez-vous ce qui s'est passé en 2015 à Québec? Le Québec a battu la Norvège. Il y a moins d'accidents ici à Québec qu'il y en a en Suède où ils ont appliqué la Vision Zéro, où il y en a en Norvège qui ont eu leur propre programme à eux autres. Ce qu'on dit, nous autres, là, on ne dit pas qu'on est meilleur, mais on dit juste que ça marche, notre affaire. Ça marche. On est meilleur que le meilleur pays au monde. Alors, on dit juste pourquoi qu'on changerait ça pour l'instant. On n'est pas contre la Vision Zéro. On dit juste que ça fonctionne. On va voir ce que les autres villes vont faire. S'il y a quelque chose là-dedans qu'on peut appliquer à ce qu'on fait, on le fera et on le prendra avec plaisir. C'est juste qu'on n'embarque pas dans toutes les affaires à la mode. Cité de ceci, la ville de ceci, on n'embarque pas nécessairement là-dedans. Alors, on ne refuse rien, madame la chef de l'opposition, juste que nos affaires, ça marche. Vous auriez dû le lire, là. On bat la Norvège, on bat la Suède à Québec. On n'est pas parfait, c'est pas zéro. On veut atteindre zéro, mais quand même qu'on se pètera la tête sur les murs pour dire on veut zéro, ça ne donne rien. Pour l'atteindre, c'est des gestes. Alors, vous êtes les spécialistes des avis, c'est le fun. Espérons que vous ayez un programme un jour. D'autres interventions? Monsieur Boyer? Madame la Présidente, je suis un peu... En tout cas, je vais faire attention, je m'excuse, Madame la Présidente, je ne dirai pas exactement ce que je veux dire. Je vais juste faire la comparaison avec la vision zéro de Montréal. Il y a 9 éléments qui doivent se retrouver là-dedans. Engagement politique, plan d'action. On a une stratégie de sécurité routière depuis 10 ans. C'est la seule ville au Québec qui a ça. On a des plans d'action annuels, à long terme, à court terme, à moyen terme. Eux autres, ils demandent, dans la vision zéro, avoir une approche système, avoir des données fiables. En 2010, on a commencé à identifier les zones accidentogènes. En 2013, on a commencé à créer notre base de données. Aujourd'hui, les rues conviviales, notre système a 41 couches différentes. Je pense qu'on est encore plus loin. On parle à Montréal de leadership multidisciplinaire. Nous autres, on parle de transversalité. Exemple, boulevard Langelier, la culture, les infrastructures, l'éclairage de rue, l'environnement. On a tous travaillé ensemble pour faire un beau projet, quelque chose de mobilisant. On parle de sixième élément, coopération et collaboration avec les organismes. Je l'ai dit tantôt, la SAC nous a félicités pour notre collaboration avec les différents organismes. Implication communautaire, garder la police dans les écoles. On veut collaborer dans les différentes stratégies à l'automne quand on parle de nos stratégies de sécurité routière, nos campagnes. On est là. Alors, on s'implique. Équité entre les usagers, qui est le huitième élément, partage la route. C'est exactement ça. Neuvième, transparence. Depuis 10 ans, on fait des stratégies de sécurité routière pour dire au monde, faites attention. Alors, moi, je vous dirais, j'invite Montréal à continuer là-dedans. C'est parfait. Nous, on est en avance là-dedans. Les données, les systèmes, on les a. On peut les aider. Donc, s'ils ont besoin de nous pour avancer dans les stratégies, on a 10 ans d'expérience. Ça va nous faire plaisir de les aider. Merci. D'autres interventions? Monsieur Chouari? S'il vous plaît. S'il vous plaît, M. Chouari. Oui, Madame la Présidente. Moi, je pense que la Ville de Québec peut et doit faire plus. Et c'est l'objectif de cet avis de proposition. L'objectif, c'est de s'inscrire dans un réseau canadien qui s'appelle Vision Zéro Accident. Et j'appelle que la Ville de Montréal s'y est inscrite. Et ce réseau fera en sorte que toutes les villes qui y font partie
et qui s'impliquent et qui participent pourront échanger ensemble les différentes stratégies, s'aider, se partager leurs expériences. Et la Ville de Québec pourra aller beaucoup plus loin que ce qu'elle fait présentement. Moi, je suis d'avis que la Ville de Québec peut et doit en faire plus. Et c'est pour ça qu'on pense que la Ville de Québec doit adhérer à la vision zéro accident. Et c'est pour ça qu'on pense que la Ville de Québec doit adhérer au réseau canadien. Alors, les collègues ici qui parlaient d'autres pays, puis on peut se comparer à d'autres pays, mais lorsqu'on se compare à nous-mêmes, lorsqu'on se compare aux villes de notre pays, je pense qu'il y a des villes qui font mieux que nous dans certains domaines. On peut peut-être faire mieux qu'eux dans d'autres domaines, mais globalement, on doit travailler ensemble et d'adhérer à ce réseau, d'adhérer à cette stratégie ne serait qu'une excellente chose, et ça, évidemment, au bénéfice de nos citoyens. Alors, moi, j'insiste fortement qu'on vote en faveur de cette adhésion, qu'on vote en faveur de cette stratégie et que la Ville de Québec s'inscrive comme d'autres villes québécoises et canadiennes l'ont fait. Merci. D'autres interventions? Monsieur Normand? Oui, merci, Madame la Présidente. Je suis certain que l'opposition fait de l'écoute active dans ce dossier-là. Je pense qu'on a dit à plusieurs reprises, M. le maire l'a dit, mon collègue Patrick Boyer l'a dit aussi, on n'est pas contre. On dit juste qu'on est en avance sur les autres. Attendons de voir ce que la stratégie de consultation de la sécurité de la SAC va faire, la consultation publique. Attendons de voir les conclusions. Essayons d'intégrer à ça ce qu'on fait, nous, comme stratégie d'intervention. Notre stratégie est à revoir. C'est la troisième fois qu'on en fait une. Et on verra si on est capable soit de s'inspirer des principes qui ont été mis en place par ce groupe-là, la vision zéro accident, soit de l'adopter nous-mêmes. Donc, on n'est pas encore rendu là, mais on est en avance sur tout le monde. Alors, attendons de voir un peu comment ça va se développer pour prendre une décision à cet égard-là. Alors, je pense, Madame la Présidente, qu'on est prêt à prendre le vote. Donc, le vote est demandé. Madame Guérette, vous avez 3 minutes pour conclure. Les souhaitez-vous? Non? Donc, je vous rappelle que dans ce cas-ci, nous allons deux votes à prendre. Le premier portera sur l'avis de proposition comme telle, donc à savoir si oui ou non nous souhaitons adopter la politique zéro, vision zéro. Et par la suite, nous voterons sur la proposition du comité exécutif qui, elle, est de la résolution, en fait du sommaire, que la Ville prenne en considération la notion de vision zéro lors de l'élaboration de sa nouvelle stratégie de sécurité routière et que la Ville prenne en considération son adhésion au réseau canadien des villes pour une vision zéro accident lorsque les critères de ce réseau auront été définis et lui auront été présentés. Donc, pour le premier, soit j'appelle le vote pour l'avis de proposition. Oui, allez-y. Il me semble que les fois dans les derniers conseils, c'est pas comme ça qu'on procédait. Les derniers conseils, on votait sur l'avis de proposition et non pas sur l'avis de l'exécutif. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi on change de procédure? Parce que les dernières fois, généralement, les avis de proposition, la recommandation était simplement de ne pas donner suite. Donc, point à la ligne. Le vote se faisait tout simplement sur l'avis de proposition, déjà les gens, mais cette fois-ci, en plus, l'exécutif, étant donné que c'est le comité exécutif qui reçoit les avis de proposition qui sont déposés par les membres, propose cette fois-ci, dans la recommandation, les propositions que je viens de vous faire, les résolutions. Donc, on vote les résolutions. Monsieur le greffier, on semble douter. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir expliquer à Monsieur Choiry. En fait, si on revient à la base au niveau des avis de proposition, c'est un des rares pouvoirs d'initiative qui appartient aux conseillers municipaux pour proposer des actions ou des projets au conseil de la ville. Autrement, c'est le comité exécutif qui a l'initiative à ce moment-là de présenter des sommaires décisionnels pour délibération et adoption. Donc, il y a un avis de proposition comme dans le passé. Mais cette fois-ci, exceptionnellement, le comité exécutif a une contre-proposition. Il dit dans un premier cas, après étude du sommaire décisionnel de Mme Guérette, on recommande de voter contre ce sommaire décisionnel-là, de ne pas y donner suite. Et ils ajoutent ensuite et d'adopter la résolution suivante. Premièrement, que la Ville prenne en considération la notion de vision zéro lors de l'élaboration de sa nouvelle stratégie en sécurité routière en 2018, et que la Ville prenne en considération son adhésion au réseau canadien des villes pour une vision zéro lorsque les critères de ce réseau auront été définis et lui auront été présentés. Il n'y a rien qui empêche le comité exécutif en tout temps de présenter des sommaires décisionnels. Donc, c'est pour ça que, tel que prévu au règlement, le vote se fait sur l'avis de proposition de Mme Guérette et ensuite sur la contre-proposition du comité exécutif via le sommaire décisionnel. Merci. Donc, nous allons passer au vote sur l'avis de proposition de Mme Guérette. À main levée, quels sont ceux qui sont favorables?
Merci. Quels sont ceux qui sont contre? Merci. Pour ce qui est, en fait, pour le moment, je n'ai pas à prendre le vote pour la recommandation du comité exécutif. J'aurais simplement besoin d'un proposeur. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, M. Voyer, appuyé par M. Verrette, à moins que le vote ne soit demandé? Ça sera adopté. Donc, le vote n'est pas demandé. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant au dossier suivant, le PC 2017-032. Donc, ça fait suite à l'avis de proposition déposé également par Mme la conseillère Anne Guéret lors de la séance du Conseil de la Ville tenue le 20 février dernier, afin que le Conseil de la Ville appuie le mémoire du Comité de vigilance des activités portuaires déposé à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale dans le cadre du processus de consultation publique à l'égard du projet Beauport 2020 de l'administration portuaire de Québec. Merci, Mme Guéret. Est-ce que vous maintenez votre avis? Oui, parfait. Allez-y, vous avez 3 minutes pour vous exprimer. Merci, Mme la Présidente. Alors, le comité de vigilance des activités portuaires a déposé un mémoire. Et puis, dans ce mémoire-là, le mémoire mentionne que les dépassements de normes de qualité de l'air avant et après l'agrandissement du port sont inacceptables, réclame davantage d'informations sur les effets cumulatifs du projet sur les quartiers et les résidents avoisinants. Selon ce mémoire, ils disent qu'ils ne sont pas satisfaits. C'est un projet, le projet d'agrandissement du port. On n'a pas suffisamment de détails pour savoir comment il sera déployé, qui seront les utilisateurs, quels seront les effets sur le voisinage. On parle d'un projet qui est à cette étape-ci incomplet, qui n'est pas rassurant pour les citoyens. Donc, c'est un point de vue que nous partageons également. Dans notre mémoire, nous avons un peu les mêmes inquiétudes. Alors, on est un petit peu surpris aussi, on a discuté à comprendre comment ça se fait que l'administration La Baume n'accepte pas d'appuyer Mme Véro et le comité de vigilance avec son mémoire. Alors, on nous dit ici en réponse que de soutenir les propos déposés par le comité de vigilance des activités portuaires n'apporterait pas d'éléments nouveaux par rapport aux questions, aux commentaires soumis à l'agence. Donc, non, on ne comprend pas pourquoi l'administration La Baume refuse d'appuyer un mémoire dont Mme Véro est présidente du comité. On ne comprend pas. Merci. Des interventions? Mme Véro? Merci, Mme la Présidente. Ce n'est pas très compliqué à comprendre. Vous allez voir, je vais faire ça rapidement. Le comité de vigilance des activités portuaires est un comité indépendant, OK, et qui a déposé un mémoire dans le cadre d'un processus à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale pour le projet d'agrandissement du port de Québec. Alors, ça n'a rien à voir avec Suzanne Bérou personnellement. Je préside le comité de vigilance des activités portuaires, mais par contre, c'est un comité totalement indépendant. Et en faisant... Moi, je ne souhaite pas qu'on fasse nôtre du mémoire du comité de vigilance, puisque ça n'a pas rapport à ce moment-ci d'en faire un débat politique. Il y a un comité qui a travaillé, qui vit depuis 2013. Il y a je ne sais plus combien de mémoires ont été déposées, alors ce qui voudrait dire qu'on pourrait lire tous les mémoires. Ce n'est pas parce que c'est Suzanne Véro d'équipe La Baume qu'il faudrait qu'il soit appuyé par les élus de la Ville. C'est un travail indépendant du comité de vigilance des activités portuaires soumis à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. Alors, dans ce contexte-là, jusqu'à date, je ne sais pas c'est quoi le but là, de vouloir. Il n'y a pas de discorde là, ici entre le politique. Ce n'est pas politique. OK? Ça n'a rien à voir avec le politique. Je veux dire, si vous voulez en faire un enjeu politique, M. Labeaume me fait connaître toutes ces... ses commentaires lors des grandes lignes directrices du projet. Monsieur le maire a fait parvenir ses commentaires, ses inquiétudes et ses questionnements à l'Agence canadienne. Il ne les a pas déposés ici. C'est en dehors. Ce n'est pas un enjeu politique à ce moment-ci. On verra plus loin dans le processus parce que là, ça, c'est parti. C'est des experts qui sont en train d'analyser les mémoires. Ils vont revenir avec un rapport, alors on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas c'est quand, on attend des nouvelles. Mais je ne vois pas la valeur ajoutée de venir
chercher un appui au conseil de ville pour les membres du comité de vigilance. Il faudrait déposer tous les mémoires qui ont été déposés finalement. Alors, on ne souhaite pas instrumentaliser le comité de vigilance des activités portuaires dans une action politique. C'est juste ça. Merci beaucoup. Merci. D'autres interventions? Non. Monsieur Chouari, est-ce que c'est vous qui avez appuyé? Madame Guérette, parfait. Merci. On me demandait de confirmer. Monsieur Verrette, allez-y. Merci, Madame la Présidente. Tout simplement pour confirmer que depuis 2013, j'appuie ma collègue sur le comité de vigilance des activités portuaires. Donc, j'étais totalement d'accord avec la recommandation du comité depuis le début. On a fait un travail sur les activités portuaires, les nuisances. On a eu des bonnes recommandations. Comme Madame la Présidente du comité disait, on a eu beaucoup de présentations, beaucoup de travail qui s'est fait depuis les 3-4 dernières années. Et je pense que ce mémoire représente bien le travail des citoyens de l'arrondissement de la cité. On avait des fonctionnaires qui ont participé au niveau de la ville aussi, qui ont donné leur appui. Donc, c'est vraiment un travail qui a été très, très, très rigoureux. Et je pense que d'aller appuyer ça ici, pas un de mes collègues qui a la même vision et la compréhension des activités portuaires. On est là pour les activités portuaires. Je vais faire le parallèle, Madame la Présidente, aussi. Je suis président de l'OBV de la Capitale-Nationale qui a déposé son mémoire. À quoi on s'est attardé? On s'est attardé à la qualité de l'eau du fleuve, les environnements qui étaient aux abords du fleuve. On a déposé une mémoire. Je ne demande pas l'appui de mes collègues pour ce dossier spécifique-là. On a le CRE, la Conférence régionale de l'environnement, qui a déposé aussi un mémoire. Chaque personne fait son travail et est analysée par un autre comité qui vont nous revenir par la suite et on pourra remettre d'autres commentaires. Le processus est très rigoureux et très efficace, tant qu'à moi. Merci, Madame la Présidente. Merci. Monsieur le maire? Écoutez, tout d'abord, Mme Véro, elle est, avant d'être membre d'équipe là-bas, mais elle est conseillère là-bas. Son premier rôle, c'est de défendre ses citoyens. Deuxième affaire, on pense que c'est une mauvaise idée de faire de la récupération politique avec ce document-là. On pense que c'était vraiment une très mauvaise idée. Et c'est pour ça qu'on va refuser ça. On n'a pas à faire de la récupération politique sur le travail d'un comité. Ça serait un petit peu les insulter. Finalement, non, on n'a pas déposé de document sur les résultats. On a dit qu'on allait aller aux audiences publiques. Nous, on a dit qu'on était d'accord avec le dossier. Alors, nous, on va travailler pour que ça marche en le critiquant toutefois, en protégeant les citoyens du coin. On va être très, très clair, sauf qu'on veut que ça marche. On part pas, on n'en fait pas, nous autres, un cheval politique et d'être contre à tout craint. Peu importe ce que le port dira, l'opposition dira toujours que ça n'a pas de bon sens. Nous autres, on n'est pas de même, on pense que ça peut marcher, mais on va défendre les citoyens. Puis, inquiétez-vous pas qu'on va critiquer le rapport quand ça sera le temps, quand ça aura du bon sens. On ne veut pas faire de récupération politique, on veut que ça marche, cette affaire-là. On pense que c'est important, l'économie de Québec. Ça a 400 ans d'histoire, le port de Québec, à peu près, je pense qu'il faut respecter ça. Alors, si l'opposition, ça va devenir, on le sait, ils vont se battre contre le port pour se faire des gains politiques. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Nous, on n'est pas d'accord. On ne procédera pas de même. C'est comme Énergie Est. On attend les audiences publiques. On va critiquer le projet en temps et lieu, toujours en protégeant les gens de Québec. Alors, la part, nous autres, on est d'accord, mais jamais on va faire l'économie de critique pour protéger les citoyens. Non, on va faire exactement ce que notre devoir nous impose. Et Mme Véro, avant toute chose, elle est citoyenne et élue de son quartier, c'est son premier devoir. On n'ira pas récupérer le travail qu'elle et ses collègues ont fait. Ça serait vraiment de mauvais goût. D'autres interventions? Non. En conclusion, Mme Guérette, vous avez 3 minutes. Souhaitez-vous? Non, ça va aller. M. Chouari, vous souhaitez intervenir? Bien, moi, je pense que les demandes et les questionnements du comité sont quand même importants. Et puis, je trouve que c'est une bonne idée de supporter les citoyens et de supporter le comité. Je suis un peu perplexe quand vous dites que vous allez être critique envers le projet alors que vous avez donné un appui sans réserve tout récemment. Alors, comment peut-on donner un appui sans réserve à un projet d'agrandissement du port et en même temps dire, bien, on va être critique en temps et lieu? Alors, ce n'est pas d'être critique en temps et lieu que de donner un appui sans réserve. Alors, moi, je pense qu'on doit appuyer le comité et ce serait un geste concret que le conseil municipal poserait pour les citoyens qui, dans le passé, ont subi des inconvénients importants dans les opérations du port de Québec et qui ont des inquiétudes fort légitimes dans le projet d'agrandissement du port.
Merci à la question. Comment peut-on être critique et à la fois? On peut être comment? On peut être pour et critique. Il s'agit d'être responsable, tout simplement. Nous, on pense que c'est 300-400 ans d'histoire, la part. C'est encore important pour l'avenir. On a un avantage économique avec le tirant d'eau qui est exceptionnel. Ceci dit, on pense qu'il est imparfait. Ce projet-là est imparfait. On en discute. On ne se vante pas de ça publiquement. On a des discussions serrées avec le part. Sauf qu'on n'en fait pas un enjeu politique, on ne se vante pas, on n'essaie pas de gagner des votes dans Limoilou en frappant sur le port. On a déjà frappé sur le port, quand il le méritait publiquement. Mais on ne le fait pas tous les jours pour gagner des votes. On pense qu'il faut être responsable. C'est comme ça qu'on travaille. Voilà. Merci. D'autres interventions de ceux qui ne sont pas intervenus? Non? Le vote est demandé. Donc, Mme Guéret, en conclusion, vous avez 3 minutes. Ça va aller? Donc, à l'avis de proposition, quels sont ceux qui sont favorables? À l'avis de proposition, quels sont ceux qui sont contre? Merci. Ça nous amène au point 10, proposition sans préavis. Monsieur Dufresne. On est rendu à la bonne place. Alors, c'est au sujet de Monsieur Guétan. Alors, attendu que le 1er mars, lors du 9e gala annuel des prix de l'Association canadienne de gestion d'exposition qui s'est tenue à Toronto, M. Guétan Marcoux, chargé de compte pour Exposité, a été intronisé au Temple de la renommée comme grand bâtisseur de l'industrie au Canada. Attendu que cette distinction de haut niveau n'est décernée qu'aux leaders qui ont contribué de façon importante au monde de l'exposition au Canada. Attendu que M. Marcoux a œuvré dans l'industrie pendant plus de 33 années, durant lesquelles il s'est démarqué d'abord dans le secteur privé et à titre de fondateur de l'entreprise ProExpo, et ensuite à la Ville de Québec comme responsable du développement du nouveau centre de foire d'Exposité qui a vu le jour en 1997. Attendu qu'au cours de sa carrière, M. Marcoux a encouragé la venue de nombreux événements et qu'il a été, entre autres, le premier à faire la promotion du premier Salon international de l'Auto de Québec, du Salon plein air chasse et pêche et du Salon de ski, et qu'elle a réalisé plusieurs événements d'envergure, dont les salons CamExpo, Expo Nautique, le Salon de la rénovation et de l'habitation, les salons du camion ainsi que le Salon international des véhicules récréatifs. Attendu que le travail de M. Marcoux a grandement contribué au succès considérable du centre de foire qui ont mené la Ville de Québec à entreprendre un agrandissement qui lui a permis de devenir en 2012 l'un des plus grands espaces d'exposition dans l'Est du Canada. Et attendu que M. Guétan Marcoux a été un pilier de l'industrie ainsi qu'une pierre angulaire du développement des événements d'exposition dans la province. En conséquence, il est résolu que les membres du conseil municipal félicitent M. Marcoux pour le prestigieux prix qu'il a remporté ainsi que pour l'excellent travail qu'il a accompli. Et on lui souhaite également une très bonne retraite bien méritée. Et c'est appuyé par ma collègue Dominique Tanguay du conseil d'administration d'Exposé. Alors, mon cher Guétan, félicitations. Merci, M. Dufresne. M. Verrette? Oui, Mme la Présidente, c'est une proposition sans préavis appuyée par mon collègue Jonathan Julien. Attendu qu'hier, le 5 mars, le fondeur québécois Alex Harvey a remporté le 50 km style libre lors des championnats du monde tenus en Finlande. Attendu que cet exploit ait une grande importance puisque le 50 km style libre est l'épreuve reine du ski de fond. Attendu qu'avec cette performance, Alex Harvey devient le premier Nord-Américain à remporter les grands honneurs de cette course, et ce, depuis sa première présentation en 1925. Attendu qu'avec les meilleurs fondeurs au monde, Alex Harvey participera au final de la Coupe du monde de ski de fond qui aura lieu à Québec, sur les plaines d'Abraham, du 17 au 19 mars prochain. Attendu que cette victoire est la plus importante de sa carrière et qu'elle est sans contredit le fruit de plusieurs années de travail et d'entraînement acharné. Attendu que le nouveau champion du monde contribue au rayonnement international de la région de Québec, en plus d'être un modèle et une source d'inspiration pour toute une génération montante de jeunes athlètes. En conséquence, il est résolu de féliciter M. Alex Harvey pour son exploit et lui transmettre avec fierté nos meilleurs voeux de succès pour la continuité de sa carrière en ski de fond et gagner les championnats le 17 et 19 mars prochain. Merci, M. Verrette. M. Julien? Oui, merci, Mme la Présidente. Donc, c'est une proposition sans préavis. Je suis appuyé par M. Régis Labeaume, le maire. Je donne mes papiers. Alors, Mme la Présidente, entendu le 29 février dernier, lors du 11e congrès annuel d'info-excavation qui avait lieu au Manoir Saint-Sauveur, la Ville de Québec a reçu un prix de reconnaissance afin de souligner ses bonnes pratiques en matière de gestion de ses infrastructures souterraines. Attendu qu'Info Excavation a mis sur pied ce programme de reconnaissance en 2011 afin de reconnaître les organisations et municipalités qui font une différence en matière de prévention des dommages aux infrastructures souterraines dans le but d'assurer la sécurité des travailleurs et du public
ainsi que le maintien des services publics. Attendu que le comité de sélection a octroyé la reconnaissance à la Ville de Québec en s'appuyant sur plusieurs initiatives qui lui ont permis de se démarquer en matière de gestion des infrastructures souterraines et en prévention des dommages, dont la cartographie complète de son réseau, l'excellente collaboration des employés de la Ville pour le traitement et la gestion des milliers de demandes de localisation et de plans permettant aux particuliers, aux entreprises et aux institutions de procéder à leurs travaux d'excavation de manière sécuritaire, la qualité du travail réalisé en amont dans la planification du projet du SRB afin d'éviter les surprises lors des travaux d'excavation, et l'expertise de ses employés, qui ont d'ailleurs été 161 à suivre une formation sur la prévention des dommages aux infrastructures souterraines. Attendu que cette reconnaissance est un bel exemple des efforts déployés par nos équipes pour adopter les meilleures pratiques, en conséquence, il est résolu que les membres du conseil municipal soulignent et remercient tous les employés du service de l'ingénierie pour leur excellent travail. Merci. Les membres ont-ils d'autres propositions sans préavis? Non, dans ce cas, je demanderai à M. Greffy de bien vouloir. Oh, il y en a d'autres? Oui. Mme Jean, allez-y. Alors, j'aimerais soumettre une proposition appuyée par ma collègue Chantal Gilbert. Attendu qu'à l'occasion du 25e gala de la jeune personnalité d'affaires Banque nationale de la Jeune Chambre de commerce de Québec, qui s'est tenue au Capitole le 24 février dernier, 8 personnalités d'affaires de notre région ont été honorées. Attendu que la Jeune Chambre de commerce de Québec a créé le concours de la jeune personnalité d'affaires en 1992 afin de mettre en valeur les jeunes gens d'affaires de la région qui se distinguent sur le plan professionnel et personnel. Attendu que les lauréats de la jeune personnalité d'affaires Banque nationale pour 2017 sont M. Martin Gagnon, directeur créativité web chez IDECOM dans la catégorie relations publiques, marketing et communication. M. Jean-Michel Lebeau, président fondateur de Cortex Média dans la catégorie technologie et recherche. M. Pierre-Luc Berthiaume, directeur général de l'Est du Québec pour la Fondation Rêve d'enfants dans la catégorie organisme à but non lucratif, communautaire et social. M. Michael Potvin, président directeur général de Terre Alpha dans la catégorie administration et gestion. M. Jean-Sébastien Blais, directeur du développement des affaires chez Cain et Lamar dans la catégorie vente et développement des affaires. M. Arnaud Marchand, chef propriétaire chez Boulet Bistro Boréal dans la catégorie tourisme et développement des affaires. Mme Isabelle Lechasseur, présidente de Arfan Santé et infirmière dans la catégorie services professionnels. M. Yannick Côté, conférencier et producteur dans la catégorie arts, culture et création. En conséquence, il est résolu que les conseillers municipaux félicitent tous les lauréats cités à titre de jeunes personnalités d'affaires et leur souhaitent beaucoup de succès dans la poursuite de leur vie professionnelle et personnelle et les remercient d'être des jeunes si inspirants pour notre communauté. Merci, Mme Jean. Mme Gilbert? Alors, c'est une proposition que je fais, mais qui est secondée par le maire de Québec. Alors, le 26 février dernier, suite à l'attentat commis à la Grande Mosquée de Québec et dans le but de célébrer la diversité de la culture québécoise, une centaine d'artistes se sont réunis au Capitole pour offrir gratuitement à la population un spectacle intitulé « Ensemble ». Attendu qu'au lendemain de la tragédie, dans un élan de solidarité et de fraternité, M. Olivier Dufour, metteur en scène et concepteur, ainsi que Byron Mikhailov, chanteur et guitariste du groupe The Lost Finger, se sont réunis afin de mettre sur pied cet événement. Attendu que le succès de cette soirée et sa réalisation dans des délais exceptionnellement courts représentent un travail colossal de la part de plus de 260 généreux bénévoles, attendu que la tenue d'un événement gratuit n'aurait été possible, n'eût été les contributions de Jean Pilote, qui a gracieusement prêté le Capitole, ainsi que le soutien financier de M. Peter Simons et de plusieurs autres partenaires qui se sont associés à l'événement, attendu que plus de 1200 citoyens et citoyennes ont assisté au spectacle et que plusieurs dizaines de personnes s'étaient rassemblées à l'extérieur afin d'assister à l'événement diffusé sur grand écran, attendu qu'une centaine d'artistes aux origines et aux disciplines variées se sont produits sur scène pendant plus de 2 heures, attendu que le spectacle ensemble a permis aux citoyens de s'unir dans la beauté de la diversité culturelle. En conséquence, il est résolu que les membres du conseil municipal remercient et félicitent les concepteurs du spectacle Ensemble, M. Olivier Dufour et Byron Mikhailov, ainsi que tous les bénévoles, mécènes et artisans de ce magnifique projet rassembleur. Merci. Merci. Donc, je vous demanderai de bien vouloir enregistrer mon vote pour l'ensemble des propositions sans préavis, s'il vous plaît, M. le greffier. Merci. Ça nous amène au point 11, rapport du comité exécutif. Comité exécutif du 22 février 2017, Loisirs et Sports, LS 2017-001. Le dossier concerne la reconnaissance à portée municipale de 2 organismes
et le retrait d'une reconnaissance dans le cadre de la politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif. Donc, c'est proposé par M. Verrette, appuyé par M. Bussière. LS 2017-005. Appropriation d'un montant à même le fonds réservé aux fins de parc, terrain de jeu et d'espaces naturels de l'ensemble de la ville pour la réalisation de divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs dans certains arrondissements. Proposé par M. Verrette et appuyé par Mme Corriveau. LS 2017-007. Appropriation d'un montant à même le fonds réservé aux fins de parcs et terrains de jeu, d'espaces naturels de la ville pour le remplacement des modules de jeu dans divers parcs municipaux. Proposé par M. Verrette, appuyé par M. Julien. Merci. Approvisionnement, AP 2017-006. Autorisation au conseil de l'arrondissement des Rivières pour l'engagement de crédits relatifs à l'adjudication d'un contrat pour la fourniture de divers produits de signalisation et travaux d'installation de signalisation. Proposé par M. Julien, appuyé par Mme Jean. M. Choiry, une question? Oui, Mme la Présidente. Dans ce dossier-là, l'estimation du service demandeur était de 450 000. Il y a une soumission non conforme à 195 000, une conforme à 590 000. Et on nous dit dans le rapport que c'est 31,2% plus élevé que l'estimation. Alors, j'aimerais comprendre, est-ce qu'il y a eu une erreur dans l'estimation? Est-ce qu'on se dit, bien, vu qu'il y avait juste un soumissionnaire conforme, on accepte de payer 31,2% de plus que ce qu'on pensait? Est-ce que la disponibilité budgétaire va être là quand même? C'est un peu étrange de voir un aussi grand écart qu'on accepte comme ça, surtout qu'il n'y avait qu'un soumissionnaire comme conforme. Et pour terminer, il me semble que c'est pas de la haute technologie, là, la signalisation. C'est quelque chose que la Ville, j'imagine, fait couramment dans tous les arrondissements. Est-ce qu'on a pu comparer, voir s'il y a quelque chose qui se passe qui fait en sorte qu'il y a un si grand écart entre la soumission et l'estimation? Merci. On va vous répondre, M. Julien. Oui, certainement. Merci, Mme la Présidente. Effectivement, premièrement, la comparaison, le non-conforme, on comprend bien. Hein, il y a l'élément 5.4 et 5.5 qui n'ont pas été inclus. Donc, on regarde, en fin de compte, les prix des trois premiers éléments par rapport à la soumission qui a été retenue. Naturellement, elle est non conforme parce qu'elle n'a pas soumis l'ensemble des prix. On voit bien que la différence est là essentiellement. Effectivement, on demande toujours des notes aussitôt qu'on dépasse 10% en réalité la médiane. Et ici, puisque c'est un unique, on demande des explications. On a obtenu des explications. À titre d'exemple, nous avons omis d'ajuster le montant de notre estimation en fonction des quantités à la hausse. Donc, c'est seulement sur base de quantité quand on reflète la quantité. Cependant, à la lumière des analyses des prix unitaires, nous remarquons que le fournisseur a soumis des prix unitaires inférieurs aux précédents appels d'offres. Dans plusieurs cas, partant de ce fait, nous estimons que le coût du présent appel d'offres est réaliste et justifié. Donc, essentiellement, on a oublié d'ajuster le nombre, mais quand on regarde au prix unitaire, il est moins cher qu'avant. Donc, on est très satisfait de la soumission. Merci. AP 2017-026. Le dossier concerne le renouvellement de la couverture des polices d'assurance émises au nom des organismes à but non lucratif reconnus par les arrondissements. C'est proposé par Mme Deuil, appuyé par Mme Gilbert. Culture, vie communautaire et relations internationales, CU 2017-015. Donc, le dossier concerne une demande d'aide financière pour l'année 2017 auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme Aide au projet, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Proposé par Mme Gilbert, appuyé par M. Bussière. Finances, FN 2017-005. Le dossier concerne la nomination d'assistants trésoriers pour les arrondissements. C'est proposé par M. Julien. C'est appuyé par M. Normand. Loisirs et sports, LS 2017-006. Appropriation d'une somme à même le fonds réservé aux fins de parcs, terrains de jeu et d'espaces naturels des arrondissements pour la réalisation de divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs dans certains arrondissements. Proposé par M. Julien, appuyé par M. Verrette. LS 2017-010. Retour du solde du projet de réaménagement du parc Montpellier au fonds réservé aux fins de parcs et terrains de jeu de l'arrondissement de Beauport. Proposé par M. Verrette, appuyé par Mme Trudel. PC 2017-019. Prolongement des rues Édouard Stavely, Stanley Cosgrove et ouverture de trois nouvelles rues dans le district La Pointe de Sainte-Foy et dans le cadre du projet Domaine Legendre, phase 1.
Proposé par M. Normand, appuyé par Mme Corriveau. Ressources humaines, RH 2017-058. Adhésion de la Ville au plan municipal d'emploi des jeunes des centres jeunesse du Québec de l'Union des municipalités du Québec. Proposé par M. Julien, appuyé par M. Ernoul. RH 2017-059. M. Ernoul, si vous souhaitez intervenir, allez-y. Oui, merci, Mme la Présidente. Simplement un commentaire. En fait, quand le maire m'a donné mandat en 2014 que la Ville participe à ce programme-là, on s'est assis avec les fonctionnaires et on a regardé une manière différente de faire participer les jeunes à ce programme-là. À l'époque, c'était les municipalités qui participaient avec le programme de l'UMQ qui donnait des emplois davantage à manutention. Alors, en 2016, au début de l'année, on est arrivé avec un nouveau programme qui a fait travailler des jeunes en travail d'administration. Ce sont 8 jeunes qui ont travaillé et on est fiers aujourd'hui de mentionner que le premier jeune qui était rentré a terminé son programme. Qui plus est, il est retourné à l'école. Alors, c'est un beau succès, Mme la Présidente. Les autres personnes sont là. Alors, on voulait simplement remercier la Ville de continuer là-dedans. Merci. Merci bien. RH 2017-059. Addendum au contrat d'engagement entre la Ville et M. Louis Potvin à titre de directeur général adjoint associé des services de proximité. C'est proposé par M. Julien. C'est appuyé par M. Normand. RH 2017-159. Contrat d'engagement entre la Ville et M. Martin Caron à titre de directeur du service des technologies de l'information. Proposé par M. Julien, appuyé par M. Voyer. Point B, matière à soumettre au Conseil d'agglomération, comité exécutif du 22 février 2017, approvisionnement, AP 2017-017. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'entente de service de 3 ans entre la Ville et l'Association pour la protection de l'environnement du lac Saint-Charles et des marais du Nord, relativement à la réalisation d'activités dans le cadre du plan d'action pour la protection de la prise d'eau et du lac Saint-Charles. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Verret. AP 2017-038. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adjudication de contrats pour la fourniture de divers produits d'atelier pour l'entretien du parc véhiculaire de la Ville. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Julien. Bureau de la valorisation énergétique, BV 2017-002. Celui-là, il est modifié. Donc, il y a une copie du sommaire qui a été distribuée sur les pupitres des membres du Conseil en regard à ce moment de la tarification pour la consommation d'énergie excédentaire. Donc, c'est l'autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération le contrat de vente de vapeur entre la Ville et la société en commandite Stadacona WB pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Julien. Merci. Approvisionnement? Oui. Allez-y. Oui, dans le dossier concernant le contrat de vapeur, je tiens à féliciter l'équipe, en réalité, qui a travaillé sur cette négociation-là, sous M. Gilles Dufour, PGA, et l'équipe de l'incinérateur également. Je pense que c'est un nouveau contrat qui protège bien la Ville par rapport à certaines éventualités, parce qu'on sait que la compagnie pourrait avoir des besoins supplémentaires, en réalité, en termes de vapeur, puisqu'on parle peut-être de développer et de démarrer une troisième machine. L'entente contractuelle qu'on avait avec eux depuis quelques années, premièrement, on est venu bonifier. Là, on est passé de 205 000 $ par mois à 250 000 $ par mois. Donc, ça fait passer de 2,5 millions les revenus minimum à 3 millions. Et il n'y avait pas de plafond. Donc, rendu à un certain niveau, on est venu insérer une tarification qui va être bonifiée de 3,25, 3,50 et 3,75 durant les 3 prochaines années. Ça veut dire que si, par exemple, le besoin était supplémentaire, on va venir tirer des profits de ces éléments-là. On estime entre 200 et 500 000 $ potentiellement. Et il y avait des clauses de pénalité qui étaient assez difficiles à appliquer et qui mettaient des fois la Ville, bien qu'on veut maintenir une performance, les clauses de pénalité faisaient en sorte que quand on ne maintenait pas une performance, on était pénalisé, on est venu les réduire. Et pour nous, on a encore un gain là. Donc, c'est 3 gains successifs. Je pense que l'entente est bien négociée dorénavant. Par rapport à certaines éventualités de fluctuations, la Ville est mieux protégée et les revenus sont supplémentaires. Merci, M. Julien. D'autres commentaires, questions? Alors, c'est adopté. Comité exécutif du 1er mars 2017, approvisionnement AP 2017-020. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adjudication d'un contrat pour l'acquisition de commutateurs industriels. Alors, c'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par M. Julien. Questions, commentaires, c'est adopté. AP 2017-021.
Autorisation de soumettre à la prochaine réunion du Conseil d'agglomération le renouvellement du contrat entre la Ville et l'entreprise Esserie Canada Limité relativement aux licences d'utilisation des produits Esserie pour une période de 3 ans du 15 février 2017 au 14 février 2020. Alors, c'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par M. Patrick Voyer. Questions, commentaires? C'est adopté. Arrondissement de la cité Limoilou, gestion du territoire A1GT, 2016-217, pardon. Non, ce dossier a été retiré lors de l'adoption de l'ordre du jour. Désolé. Alors, A1GT 2017-025. Donc, c'est une autorisation à soumettre à la prochaine réunion du Conseil d'agglomération la modification aux règles portant sur la circulation sur le réseau artériel d'agglomération concernant la première avenue, arrondissement de la cité Limoilou. Alors, c'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par Mme Véraud. Questions, commentaires, c'est adopté. Bureau des grands événements, BE 2017-001. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'entente entre la Ville et le Festival d'été de Québec relativement au versement d'une subvention à titre d'assistance dans le cadre de la tenue Festival d'été 2017. Alors, c'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par Mme Chantal Gilbert. Questions, commentaires, c'est adopté. Développement économique et grands projets, DE 2017-007. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'entente entre la Ville et l'entreprise Demarc incorporée relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet démonstration d'un système novateur de prêt de livre numérique multiprotection avec application de lecture intégrée et solution de lecture à travers un navigateur web dans le cadre du programme de vitrine technologique de la Ville. Alors, c'est proposé par M. le maire, appuyé par Mme Natacha Jean. Questions, commentaires, c'est adopté. DE 2017-011. Donc, oui, autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'entente entre la Ville et Québec numérique relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet Sommet numérique de Québec 2017 dans le cadre de la stratégie de développement économique de la Ville. Alors, c'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par Mme Natacha Jean. Questions, commentaires, c'est adopté. DE 2017-024. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adoption du règlement modifiant le règlement sur le programme de soutien financier aux sociétés de développement commercial relativement aux critères d'admission à un soutien. C'est le règlement d'agglomération projeté 1102. Alors, c'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par Mme Chantal Gilbert. Questions, commentaires, c'est adopté. DE 2017-026. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'acte de rétrocession en faveur de la Ville des droits que la société Action Chambreur de Québec possède dans la propriété située au 328 rue Dupont, arrondissement de la cité Limoilou. Alors, c'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par Mme Chantal Gilbert. Questions, commentaires, c'est adopté. DE 2017-028. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de l'emprise du boulevard Charest-Ouest constituée du lot 1 479 054, l'échange de terrain avec Soult en faveur de la Ville, du parti de ce lot ainsi que des parties de lot 1 478 081 et 609, tous situés dans l'arrondissement de la cité Limoilou. Alors, c'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par M. Julien. Questions, commentaires? C'est adopté. Ingénierie IN 2017-005. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'entente de collaboration entre la Ville et la Ville de Ville de Québec et la Ville d'Ancienne-Lorette relativement à la reconstruction des réseaux souterrains et des infrastructures routières appartenant aux Villes de Québec et de l'Ancienne-Lorette dans le cadre des travaux de remplacement du pont sur le boulevard Wilfrid Hamel au-dessus de la rivière Lorette. Alors, c'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par M. Jonathan Julien. Questions, commentaires, c'est adopté. Office du tourisme de Québec, OT 2017-003. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération la convention d'aide financière entre la Ville et le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale relativement au versement d'une aide financière pour des projets en tourisme. Alors, c'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par... Oui, Mme Chantal Gilbert. Questions, commentaires, c'est adopté. OMHQ, OM 2017-001.
Autorisation de soumettre au conseil d'agglomération la nomination d'un administrateur au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation. Alors, c'est proposé par M. le maire, c'est appuyé par Mme Chantal Gilbert. Questions, commentaires? C'est adopté. Planification et coordination de l'aménagement du territoire de l'environnement, PC 2017-025. Oui, celui-ci également a été retiré lors de l'adoption de l'ordre du jour. Oui. Excusez. Oui. Alors, juste. Merci, M. Dion. Technologie de l'information, TI 2017-004. Donc, autorisation de soumettre au conseil d'agglomération l'entente entre la Ville et le réseau de transport de la capitale relativement à l'acquisition de sous-licence d'utilisation des logiciels SRI. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Voyer. SOMAC, SO 2017-001. Donc, SOMAC, c'est l'autorisation de soumettre au conseil d'agglomération la nomination de deux administrateurs au conseil d'administration de la société municipale d'habitation Champlain. Proposé par M. le maire et appuyé par Mme Gilbert. Nous en sommes au point 12, avis de motion et projet de règlement. Comité exécutif du 1er mars 2017, PC 2017-021. Donc, d'abord, l'adoption du projet de règlement modifiant le règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses dispositions. Règlement de la Ville projeté 2448. C'est proposé par M. Normand et c'est appuyé par Mme Gilbert. M. Normand, vous lirez également l'avis de motion? Oui, Mme la Présidente. Merci. Je donne avis qu'à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses dispositions. La définition du mot « agrandissement » est modifiée de façon à ce qu'un agrandissement ne vise plus une augmentation de la dimension d'une construction. La définition des expressions « bâtiment en rangée » et « bâtiment jumelé » est modifiée afin d'introduire, notamment, la notion de mur latéral érigé sur une ligne latérale de l'eau. La définition de l'expression « forte pente » est également modifiée de manière à ce que, lorsqu'elle est contiguë à un cours d'eau, la mesure de sa hauteur et de son pourcentage soit prise à partir de la ligne des hautes eaux. Une modification est apportée aux articles où il est fait référence au poids des véhicules automobiles ou des camions afin de s'harmoniser avec la loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, RLRQ, chapitre P-30.3. Relativement à cette modification, une définition est ajoutée pour déterminer ce que constitue le poids nominal brut d'un véhicule. En conséquence, les grilles de spécification des zones où le type d'entreposage extérieur D est autorisé, c'est-à-dire un type d'entreposage qui vise notamment un véhicule automobile de plus de 3000 kg, sont modifiés. Une allée d'accès ou une allée de circulation peut désormais être située en tout ou en partie sur une ruelle contiguë au lot sur lequel une case de stationnement qu'elle dessert est aménagée sous réserve du respect de certaines conditions. Un panneau de feuilles de polycarbonate, sauf s'il est utilisé pour un abri d'hiver, un solarium ou une construction accessoire implantée en cour arrière ne peut être employé comme matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment. L'utilisation d'une enseigne de type vidéo négatif est désormais autorisée pour le type 3 rue principale de quartier. De plus, pour ce type d'affichage ainsi que pour ce type d'enseigne, la superficie maximale du message est établie à 35 % de la superficie de l'enseigne. Les normes relatives aux enseignes à plat ne s'appliquent pas à une telle enseigne installée sur un centre commercial situé dans une partie du territoire où la commission a compétence et pour laquelle un conseil de ville a prescrit des objectifs et critères à cet égard. Dorénavant, l'exécution de travaux qui ont pour effet d'ajouter, de soustraire ou de modifier une unité d'hébergement dans un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe commerce d'hébergement touristique requiert un permis de construction. La fourniture, lors d'une demande d'un permis de construction, d'un certificat d'immunisation signé par un ingénieur pour attester que la construction, l'ouvrage ou certains travaux disposent d'une immunisation adéquate contre les inondations, est remplacée par celle de fournir un document signé et scellé par un ingénieur qui atteste de cette immunisation. Considérant que la disposition qui autorisait l'installation d'une enseigne publicitaire hors site pour annoncer un projet de construction a été supprimée par le règlement modifiant le règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses dispositions, RVQ 2444, l'article qui prévoit qu'il est nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation pour construire, installer, modifier, réparer ou démolir de telles enseignes est modifié en conséquence.
Enfin, il procède aussi à la correction de coquilles et à certains ajustements de forme. Dispense de lecture de ce règlement, Madame la Présidente, est demandée puisque tous les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de règlement. Merci. Madame Brisa, est-ce qu'on peut avoir des dispenses quand c'est long de même? Malheureusement, non. Non? Non, ça va aller. A1GT 2017-032. Adoption du projet de règlement sur la réalisation d'un projet de bibliothèque municipale sur les lots numéro 5 343 308 et 5 805 288. C'est le règlement de la ville projetée 2468. C'est proposé par Mme Gilbert, appuyé par Mme Jean. Mme Gilbert, vous lirez l'avis de motion? Je donne avis qu'à une prochaine séance, il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d'un projet de bibliothèque municipale sur la partie du territoire formée des lots 5 343 308 et 5 805 288 du CADAS du Québec, situé dans la zone 15056 RA. Cette zone est localisée approximativement à l'est de la rue du Rocher, au sud de la rue Saint-Vallier-Ouest, à l'est de la rue Carillon et au nord de la rue Raoul-Jobin. Cette bibliothèque municipale fera partie d'un bâtiment qui comportera également des logements sociaux. Il contient les règles d'urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet et modifie en conséquence, à l'égard de celui-ci, le règlement de l'arrondissement de la Cité-Limoilou sur l'urbanisme. Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de règlement. Merci. DA 2017-030. D'abord, c'est l'avis de motion relatif au règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial 3e Avenue Limoilou pour l'exercice 2017. C'est règlement de la ville projetée 2513. Merci, Mme Gilbert. Oui, est-ce qu'on a... j'ai lu l'avis de motion, mais ça avait été approuvé. Ça a été secondé. Dans ce cas-ci, c'est l'avis de motion du règlement pour établir la cotisation. Oui, dans oui, un deuxième temps, ça sera l'adoption du budget de fonctionnement de la SDC. Non, excusez-moi, M. Le Greffier, je m'informais sur la bibliothèque, le sommaire avant, mais excusez-moi, oui, c'est Mme Jean qui vous appuyait. OK, je suis désolée. Je donne avis qu'à une prochaine séance, il sera présenté un règlement décrétant une cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial 3e Avenue Limoilou pour l'exercice financier 2017. Le montant de la cotisation est déterminé en fonction du statut du membre et de la superficie d'un immeuble occupé par celui-ci. Le montant de la cotisation ne veut toutefois pas être inférieur à 150 $ ni excéder 850 $. Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de règlement. Merci. AD 2017-005. Là, c'est l'adoption du budget de fonctionnement de la SDC 3e Avenue. Oui. Donc, c'est proposé par Mme Gilbert et c'est appuyé par Mme Deuil. Merci. AD 2017-005. Avis de motion relatif au projet de règlement modifiant le règlement sur la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement à l'assujettissement de bâtiments à valeur patrimoniale situés dans l'arrondissement de Charlevoix et la juridiction de la Commission, règlement de la ville projeté 2517. Alors, l'avis de motion sera lu par Mme Deuil. Oui. Je donne avis qu'à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le règlement sur la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec afin d'assujettir 14 bâtiments à valeur patrimoniale situés sur le territoire de l'arrondissement de Charlebourg à la juridiction de la Commission. Les bâtiments visés sont les suivants. Lot numéro 1 426 620 du CADAS du Québec, 1530 rue Maurice-Thierry. Lot numéro 1 426 099 du CADAS du Québec, 1566 et 1568 rue du Vignoble, lot numéro 4 408 631 du CADAS du Québec, 1586 rue du Vignoble, lot numéro 5 886 249 du CADAS du Québec, 1625 rue du Vignoble, lot numéro 1 427 490 du CADAS du Québec, 1654 rue du Vignoble, lot numéro 5 566 494 du CADAS du Québec, 1712 rue du Vignoble, lot numéro 1 427 471 du CADAS du Québec, 1748 rue du Vignoble, lot numéro 1 427 470 du CADAS du Québec, 1760 rue du Vignoble, lot numéro 4 828 594 du CADAS du Québec, 1776 et 1778 rue du Vignoble. Lot numéro 3 899 115 du CADAS du Québec, 1856 rue du Vignoble. Lot numéro 1 426 195 du CADAS du Québec, 1892 rue du Vignoble.
l'eau numéro 1 426 202 du cadastre du Québec 1950 rue du Vignoble, l'eau numéro 1 426 199 et 5 626 546 du cadastre du Québec 2000 rue du Vignoble, l'eau numéro 1 151 222 du cadastre du Québec 1175 boulevard Louis XIV. Les objectifs et critères qui seront dorénavant applicables à ces bâtiments sont ceux applicables au site de patrimoine à valeur patrimoniale. Dispense de lecture, une chance, de ce règlement est demandée puisque tous les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de règlement. Merci, Mme Doyle. AD 2017-005. Donc, c'est recevoir en prise d'acte l'étude patrimoniale de la rue du Vignoble réalisée par Patriarche. Proposé par Mme Doyle et appuyé par M. Voyer. Merci. Point 13, adoption de règlement. PC 2017-013. Donc, ça concerne d'abord le règlement modifiant le règlement sur le plan directeur d'aménagement et de développement relativement à l'agrandissement d'une aire résidentielle urbaine dans le secteur de la rue de l'avenue Banville et du boulevard de Lormière, le règlement de la ville 2469. Proposé par M. Normand et appuyé par Mme Tanguay. PC 2017-004. Donc, il s'agit du règlement modifiant le règlement sur le plan directeur d'aménagement et de développement relativement à l'augmentation de la densité de l'affectation administration et services dans le secteur situé au sud-ouest de l'intersection du chemin des Quatre-Bourgeois et de l'autoroute Henri IV. C'est le règlement de la ville numéro 2488. Proposé par M. Normand et appuyé par Mme Corriveau. BT 2016-059. Donc, c'est le règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement relativement à l'interdiction d'effectuer un virage à droite au feu rouge. C'est le règlement de la ville numéro 2495. Proposé par M. Normand et appuyé par M. Verrette. Merci. PC 2017-006. Donc, c'est l'adoption du règlement sur des travaux de mise en œuvre de l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres dans l'arrondissement La Cité-Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés. C'est le règlement de la ville 2505 qui décrète un emprunt et une dépense de 7 300 000 remboursable sur une période de 15 ans. Proposé par M. Normand, appuyé par Mme Gilbert. PC 2017-007. C'est l'adoption du règlement sur des travaux de mise en œuvre de l'écoquartier d'Estimoville dans l'arrondissement de la Cité-Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés. C'est le règlement de la ville 2506 qui décrète un emprunt et une dépense de 6 100 000 remboursable sur une période de 15 ans. Proposé par M. Normand et appuyé par Mme Gilbert, DA 2017-019. C'est le règlement sur l'acquisition d'immeubles à des fins municipales et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés. C'est le règlement de la ville numéro 2508 qui décrète une dépense et un emprunt municipal d'un montant de 10 millions de dollars remboursable sur une période de 10 ans. Proposé par M. Julien et appuyé par M. Normand. DA 2017-020. C'est l'adoption du règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial Centre-Ville de Québec en 2017. C'est le règlement de la ville 2510. C'est proposé par Mme Gilbert et appuyé par Mme Jans. Nous en sommes maintenant au point 14, deuxième période des questions des citoyens. À ceux qui sont présents dans la salle et qui souhaitent intervenir, je vous rappelle que cette période vous réserve une question. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés? Mme Roy de la Wade. Bonsoir, Madame la Présidente. Madame. Moi, je veux remercier M. le maire puis M. Normand, parce que lorsqu'on vient à la période de questions, on pose des questions et on a des réponses qui viennent des autorités et qui rassurent, particulièrement les conseils de quartier et ensuite en ce qui concerne l'agrès. Merci. Merci, madame. D'autres citoyens souhaitent intervenir? Monsieur, rappelez-moi votre nom. Oui, Pierre Damon. Oui. Alors, salut à tous. Moi, je suis résident depuis 2008
Puis c'est la première fois que je viens ici ce soir, puis on entend plein de choses par rapport à ce que nos élus font. Souvent, ce sont des choses qui nous laissent un peu en doute, mais je voulais simplement prendre le temps ce soir pour vous dire à tous merci. Non. Merci pour ce que vous faites. Je pense que je vois des gens de plein de bonne volonté ici. Ça m'a vraiment plu. Puis je trouve que malgré tout ce qu'on peut entendre et voir, vous faites vraiment du beau travail. Puis je tenais à prendre le temps puis venir vous le dire. Merci encore. Merci beaucoup, monsieur. Merci vraiment. Donc, monsieur Beaulieu, vous souhaitez intervenir? Non, pas les félicitations, malheureusement. Madame la Présidente, toujours en quête d'une réponse, je vais continuer de monter la chaîne de commandement et me rendre jusqu'à ma question pour la conseillère du district de Montmorency Seigneurial. Malheureusement, elle n'est pas là, donc je retourne la question, même question que j'ai posée tout à l'heure, à la conseillère municipale du district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux. À propos... Ah oh oui, c'est de l'obsession, oui, absolument. Encore une fois, sur la haine, même chose. Donc, on suppose que la question reste toujours « qu'est-ce que la haine? » Donc, je pense que... Je n'ai pas de commentaire à faire à M. Beaulieu, Mme la Présidente. Mais finalement, je dirais « qu'est-ce qu'est la haine? » La haine, ça peut être quelquefois de ne pas accepter une situation et de venir et revenir encore à la charge, ce qui pourrait ressembler à du harcèlement. Donc, la haine, ça peut être aussi du harcèlement. Merci beaucoup. D'autres citoyens souhaiteraient intervenir? Non? Deuxième période d'intervention générale des membres du Conseil. J'avais épuisé la liste. Est-ce que des membres souhaiteraient intervenir, Monsieur le maire? Je suis seul à intervenir ce soir là-dessus parce qu'il faut que j'y aille. Notre collègue Laurent Proulx quitte ce soir. C'est son dernier. Ça va monter l'âge du groupe, mais on va dire une affaire. Alors, je l'ai dit en conférence de presse devant la presse, c'est un gars que j'aime beaucoup. Il a apporté beaucoup de fraîcheur. Il était très désennuyant aussi. Hein? Il nous occupait, on aimait ça. Peut-être des jours, on aimait moins ça. Alors, Laurent, là, je l'ai dit pour tout le monde, mais on a décidé une chose. On va te faire un party de départ, mais dans ton restaurant. Okay? À tes frais. Et donc, il nous reste à choisir un soir... On paye l'autobus, puis on s'en va à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Puis là, on va dire plein de choses. On va dire vraiment à plein qu'on t'aime. Merci, cher Laurent. Donc, ceci met fin à ce conseil municipal. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Au plaisir.